Ok, on est paré. On est paré à pêcher. Bon. En espérant que... Qu'est-ce que je fais? J'achète plus d'appâts peut-être, non? J'en achetais plus. J'en achetais plus parce que bah, les appâts là-bas ils sont chers donc... Bah, personne hein. Oh, c'est giga vide. Regardez hier soir comme il y avait du monde là, personne. Tire-moi. Oh, j'entends un chien. Ouais, le concert, du coup, y'a personne. Voilà, j'ai pris 30 zappas. Du coup, bah, on va retourner là où on était, hein. Il faut que je passe à droite. Encore une fois, je me mets pas de points. Parce que c'est plus RP. Ah bah, c'est un PNJ. Il marche très très lentement, c'est un PNJ. La cam elle tangue? Comment ça? C'est vrai que t'es sur un bateau. Ouais, c'est vrai. J'ai chaud? Bah non. Vous avez raison. Pourquoi je tangue? Pourtant j'ai pas trop faim. J'ai pas du tout soif. En fait, je suis tellement omnibulée par mon objectif que je fais pas gaffe. Y'a personne de chez personne. S'il y a quelqu'un là-bas. Ah, je vais pas l'embêter. Pourquoi je tangue? Arrête de boire, mais j'ai bu de l'eau. Bonjour, bonjour. Vous vous rendez quelque part? Alors, oui. je me rends à pied vers le monsieur qui achète les poissons. Ah d'accord, et vous voulez... Il est où ce monsieur? Alors, comment dire... Il est près de la rivière, je sais pas si... Je sais pas si vous voyez... L'endroit à pêcher, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que bon, j'ai pas bien de cheval. Oh bah écoutez, oui ce serait très fort, ce serait fort aimable de votre part, mais je veux pas vous prendre du temps. Oh, vous me dérangez pas, allez-y montez. Alors, Que se passe-t-il? Disons que j'ai pas monté de cheval depuis fort longtemps. Alors... Vous pouvez. J'ai pas envie de faire un geste malencontreux, vous voyez. Alors, pour pouvoir monter mon cheval, Vous inquiétez vous pas, je... bien fermement sur vos mains. Ah. Ah, d'accord. Vous êtes sûr, hein? Ouais. Oui, d'accord. Nickel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes nouvelle dans le coin? Oui, je suis arrivée tout juste hier soir. Et vous? Oh, ça fait quelques temps déjà. Quel est votre nom? Je m'appelle Denise Duval. Enchantée. Française? Oui, tout à fait. Et vous? Ah, française aussi. Oh, mais d'où venez donc? Ah, je viens de Paris. Oh, bah effectivement, je viens de pas très loin, je viens de Rouen. Ah, bah d'accord, très bien. J'ai eu l'occasion de me rendre bon, une seule fois à la capitale, mais je m'en souviens très très bien. Oh, ce genre de choses, on a... Même si on veut l'oublier, on n'oublie pas. Ça ne vous manque pas trop? Oh non, du tout. Je suis bien mieux à la campagne. Ah... Je comprends, je comprends. Ouais, je mentirais si je disais que la... Je dirais que la vie de la ville me manque pas. J'aimais bien ça. Ah oui, vraiment? Oui, mais bon... On va dire que les événements ont fait que j'ai dû... voilà, j'ai dû me contenter d'un train de vie un petit peu moins fastueux, mais... Bah, c'est très bien aussi. Et alors, vous faites quoi? Vous est-il arrivé? Oh, pardon, je vous ai coupé. Oh, je vous en prie. Oh, J'ai habité un temps à Boston et disons que j'ai pas toujours été dans les quartiers les plus bien fréquentés, on va dire. Mmh.
Et bon bah voilà, j'ai traîné avec des personnes qui ont fait que... Si vous voyez ce que je veux dire, je vais pas trop vous en dire plus. Mmh. Pas vous embêter avec mes histoires. Ok, je vais pas du tout dans le bon sens. Ah, j'ai pas regardé. J'ai oublié de vous prévenir que je n'avais aucun sens dans l'orientation, mais c'est pas grave. Oh, mais je connaissais pas ce coin-là, cela dit. Je peux visiter. Moi, j'aime la visite, j'aime l'aventure. Donc, il y a pas de problème. On va se retrouver. Et vous avec le brouillard, vous avouez, je me perds facilement. D'accord. Mais je comprends, quand on chevauche, on discute, voilà. Il y a pas beaucoup d'indications, faut dire, hein. Ils mettaient quelques petits panneaux de temps en temps, mais bon non, faut se débrouiller, et tout se ressemble. Oh oui, non, mais moi, venant de la ville, justement, mon principal défi, on va dire, c'est de me repérer. Mais je comprends. Surtout quand il y a du brouillard. Oui, et puis là, vous êtes pas beaucoup aidé aujourd'hui. Non, pas du tout, effectivement. Et vous faites quoi donc dans cette ville? Je travaille à la ferme Parker, qui est dans les grandes plaines, en fait. Pas très loin d'ici, du point de pêche. C'est pour ça que je proposais de vous emmener. Bah, j'y suis passée effectivement hier pour voir un petit peu, ce qui s'y vendait. Et j'ai croisé un médecin là-bas. Médecin Dr Cook. Liam? Tout à fait. Que normal. Vous le croiserez souvent si vous allez à la ferme Parker. Ah ouais, il bosse beaucoup avec vous? Disons plutôt que une des habitantes est un peu en relation avec lui. Ah, faut dire que c'est un charmant jeune homme, hein. En effet, oui. Disons que si j'étais un petit peu moins fané, j'envisagerais certaines choses, enfin bon. Pas si âgé que ça aussi. Ça dépend des points de vue. Je viens d'avoir 56 ans. Oh, le bel âge. Ah, j'ai encore de quoi faire, je pense, mais effectivement, je dirais que j'ai plus le punch d'une jolie fleur comme vous. Ah. Vous me flattez. On n'est pas loin. Oh oui, on est là, on arrive. Allez. Oh, vous pouvez me lâcher là, y a pas de soucis. Heureusement que j'ai une carte. Hein. Oui, je vous ai pas beaucoup aidé non plus, faut dire. Oh bah non, mais en même temps, vous venez d'arriver. Oh, moi, j'ai même pas d'excuses. Vous êtes là depuis longtemps? Oh oui, quelques mois, ouais. Ah. Mais tout se ressemble, vous avez raison. Mon sens d'orientation me fait défaut. Eh bien, merci beaucoup, Sephar et ma brodite. Redites-moi votre nom que je n'oublie pas. Ah, je crois que je vous l'ai pas dit, en fait, tout simplement. Oui. Bon, du coup, c'est mon nom, c'est Hélène. Hélène Lecomte. Hélène Lecomte, effectivement. Bah oui, nom français. Exactement. C'est ça. Et du coup, vous travaillez à la Orange, c'est ça? Bah, c'est juste à côté, là-bas, par ici. Continuez Hélène en cette Lecomte. Direction, vous n'hésitez pas à venir à la ferme, hein. Il y a des bons plats chauds, pas chers, de quoi vous ravitailler. Bah tout à fait. Je suis passée hier et j'ai acheté quelques plats. Et puis le cadre était sympathique, j'ai pu visiter. Et puis ça va bien loin d'ici, du coup... Ça pourra m'être fort utile pour que je puisse un peu me payer un petit bourrin dans ce genre de suicide là. Parce que bon, l'âne, j'ai peur qu'il puisse pas trimballer ma carcasse, voyez. Oh oui, pauvre petite âne. Mais les ânes sont les bienvenus à la ferme. Ah d'accord, écoutez, si j'ai pas le choix, je l'emmènerai alors. Merci beaucoup en tout cas pour la balade, ce fut fort agréable et puis je pense qu'on se reverra de toute façon. Et avec plaisir. Et bah très bonne journée en tout cas. Bonne continuation. Merci beaucoup, vous aussi. Hélène Lecomte. Je vais le noter dans mon bloc-notes. Enfin, je vais mettre là pour faire genre un truc. Hop. Alors, Hélène Lecomte. Je pense comme un compte et pas comme le compte en banque. Compte en deux mots. J'aurais dû demander si c'était en un seul mot en deux mots, mais on va dire en deux mots. Lecomte. Ferme. Parker, je crois qu'ils m'ont dit. Ok. Elle était fort gentille cette petite là. Elle faisait partie du cartel destiné. Ah, je vous dis, hein, la Denise, elle a un passé. Hein. Elle a un passé, elle a un passif. Mais je vais la raconter petit à petit et tout. Là, je savais qu'on n'aurait pas beaucoup de temps parce qu'elle a une histoire assez. Et puis bon, elle est un petit peu. Voilà, la Denise, elle est un petit peu. Un tout petit peu pudique. Mais. Mais oui, vous en apprendrez plus. Vous en apprendrez plus, inquiétez pas. Et bah, elle est très sympa de m'avoir proposé de m'amener. Et puis, bah, je suis pas tombée sur grand monde, hein. Sur le chemin, on a croisé des gens, mais.
Mais voilà, dans la ville elle-même, on a vu personne, donc c'est vrai que c'est pas gentil de sa part de m'avoir amené. A few moments later. Much, much, much later. Bon, c'est dur de se faire des... Mais j'ai envie de le tenter, le cheval, plus que... Plus que le bourricot, quoi. Là, on a de quoi acheter le bourricot, mais bon. C'est bien d'avoir le cheval, là. One eternity later. N'ayant que 2 balles, vraiment, je préfère garder. Pour le moment. En vrai, on va manger déjà. Et on va, je pense, bientôt avoir l'aide du gouvernement. Et du coup, on aura plus que 2 dollars à se faire à peu près. On va faire. Je vais manger un petit civet. Ah, ça donne bien le civet. Avec mon couteau. Toujours un couteau entre les didis, c'est important. Et ça là-bas. J'aime pas, on peut pas garder son assiette, on doit l'acheter forcément. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Très bien, et vous? Ah oui, vous êtes pêcheur aussi! Ah oui, il fait un peu de pêche. Oui, je m'y mets tout doucement là, j'essaye d'apprendre un petit peu à repérer les bons endroits où pêcher, vous voyez. Oh, vous savez, on a de bonnes rivières dans l'état, hein. Où pêcher un peu. Oui, j'ai vu ça, oui. Et après, si on vous donne la chance, c'est que vous tombez dessus. Si vous voulez mon avis, ce qui rapporte le plus, c'est les grands poissons. C'est ce qui m'a semblé. Ça c'est bien, mais il pèse lourd là, à un moment donné. Ah d'accord. Les pires de tout, c'est les crabes. Mais là, il pèse lourd, il coûte rien. Il coûte pas grand chose, hein. Mais par contre, j'ai remarqué qu'il y avait drôlement du déchet là dans cette rivière. Est-ce qu'il y a un moyen de se débarrasser de ces petites bouteilles que je trouve partout? Moi je peux vous les prendre, ça me dérange pas, hein. Ah bah bien sûr, si vous savez de quoi en faire. Bah oui, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est qu'il y a pas mal de corps de métier qui en ont besoin. Des saloons, des médecins et compagnie. D'accord. Et moi je pourrais le prendre si vous voulez. Attendez, je vais juste vendre ce que j'ai. Ça j'aurai de l'argent un peu. Ça marche. Je sais même plus ce que j'ai sur moi. J'ai beaucoup de crabes. Oui, puis bon, j'ai l'impression que le vendeur ne les prend qu'un par un. Si j'ai bien compris. Oui, les seuls corps de métier où il les reprend en masse, c'est l'orpaillage. Ah. L'orpaillage, vous le mettez en fait un nombre spécifique et il va vous les reprendre toutes d'un coup. Ah bah au moins ils sont plus malins les petits gars. Voilà, mais l'orpaillage, bah vaut mieux en faire là où vous avez un pawn shop à côté. Ah. Vous en avez un du côté de Tumbleweed, vous en avez un du côté des Strawberries. D'accord. Vous en avez un du côté des Saint-Denis. Donc si vous voyez des points, par exemple ici, vous avez l'orpaillage au-dessus là, Strawberry, vous avez littéralement en fait l'or à la sortie de la ville. Je vois ça. Et le vendeur à qui vous le donnez les pépites, il est juste en entrée de la ville, juste à côté du boucher. D'accord. Donc c'est assez rapide. Bah disons que pour le moment j'ai toujours pas de bourricot, donc va falloir que... Pas de cheval ? Ah non, je suis arrivé tout juste hier et bon, j'ai peut-être pas dépensé très justement mes petites économies, vous voyez. Vous avez quoi? Vous avez 30 dollars ou vous? Ah bah je les ai plus du coup. Bon. Donc bon. Voilà pourquoi mais bon, ça va, je commence à... je commence à récupérer ce qu'il me faut là. Ah, je vois le... Tout doucement, dis donc. Tout doucement. Pourquoi j'ai une grenouille taureau? Oh, c'est les saloperies ça. Ah non, j'ai une grenouille taureau. Hein?
J'ai loupé un étal, il y avait des grenouilles et tout dedans. Parce que j'ai ouvert un étal. Ah oui, à Saint-Denis. C'est toute une histoire. Là. Ah oui. Il y en a une, elle veut pas partir. C'est une grenouille tout. Ah mais je crois que celles-là, elles sont particulières, oui. Peut-être que certains restaurateurs, mais je sais pas bien. Même pas sûr. C'est quoi ça, c'est un fusil à petit gibier? Oui, c'était au cas où je croisais quelque chose. Mais bon, j'aurais mieux fait de m'acheter une monture, je crois. Bah, je pense aussi, oui. Ah, j'ai... Après, dans les montures à 10 dollars, vous avez tout le choix. Vous avez l'âne comme moi qui fait un bruit pas possible et vous êtes une seule personne à pouvoir monter dessus. Et bah oui, du coup, bon, je me suis dit que j'allais peut-être prendre un peu mon temps, vous voyez. Vous avez le mulet aussi à 10 dollars. Il y en a de plus grand où vous pouvez monter à deux et il se comporte comme un cheval. Sauf que ça reste un mulet. Ah d'accord, je l'ai pas vu à l'écurie. Dès qu'il est pris, on a l'impression qu'il a fait la mort. Il est mort là. Ah oui. Celui-là, le pauvre, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais... il se croit que je l'ai déjà vu, oui. On dirait. On sait pas comment il marche. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous faire Alors, les bouteilles vides, vous en avez combien? J'en ai 13. 13 Alors. Je vais. Combien elle fait là? Après, voilà, ouais, vous me dites. Je vais les vendre 100 buts, 10 cents, ça c'est les prix des médecins qui les prennent aujourd'hui. Donc, d'accord. Petit peu moins cher, juste oui, bien sûr, évidemment. Moi, si je peux me faire simplement voilà, quelques cents par bouteille, ce sera déjà pas mal. Ah non, mais je vous réponds à quelque chose comme 8 cents. Hein. Oh, bah, dis donc, c'est drôlement généreux. Combien que ça va me prendre du coup? Si vous en prenez 10 pour 9 cents et 13. Oh là, ça me fait le démat. Attendez, je sors les décalés là. Je sors les calés. Oui, faut sortir la. Ouais, c'est la calculatrice de la tête. C'est ça, faut poser la soustraction quoi. Oh, je sais pas comment il fait ça. Comment on appelle ça? Un boulier. Eh, j'ai pas mon boulier en plus. Hop là, voilà. Ça fera 1,17$, je vais vous donner 1,20$, c'est plus simple. Oh, ça, voilà. Vous êtes drôlement arrangeant. Vous êtes monsieur, tiens, on s'est même pas échangé nos noms. Un peu posé. C'est pas possible, je pense. Vous pouvez arrondir à l'inférieur, hein. C'est déjà très généreux. Non, mais attendez. C'est bon à faire. C'est bon, je peux les prendre. C'est bon. Et bon, vous avez la place? D'accord, oui, je... Effectivement, je connais pas bien les lieux encore. Vous avez combien d'argent, en fait, pour ce bout, là? Ah! Oh, excusez-moi, des fois, quand je fouille dans mes poches, mon fusil tombe. Non, y'a pas de soucis. J'ai 16 dollars pour le moment, enfin, approximativement. Mais vous pouvez vous acheter une monture avec des poches? Eh bah, du coup, oui, mais depuis que je suis ici, j'ai pu me faire un petit payu, la force. Je me suis pris des appâts à la ville et puis je suis venu pêcher ici tranquillou. Vous les avez pris où en ville? À Blackwater, au marchand. Et ils coûtaient combien? 2 cents. Ah bah c'est bon alors, c'est le bon prix. Oui. Ici effectivement c'est un peu plus. Hein. Non, c'est. Ils volent. Oui. C'est des petits voleurs. Mais bon, il est pas très présent en plus. Ouais. Ah zut, ça a pas marché. Faut que je vous approche de vous, pardon, excusez-moi de m'approcher. Oh! Voilà. Oh, ça fait bien longtemps que je me suis pas approché d'un homme. Et voilà un dollar. Ouvrez vos poches et vous allez voir en fait un billet de pièces. Tout à fait. Utilisez-les et ça vous remplira les poches, ça s'ouvrira. Ah oui, tout à fait, je recompte quoi. Oui, voilà. Bien sûr, c'est normal. Merci beaucoup. Vous voulez qu'on essaye de monter du côté des Strawberry pour vous prendre... Ah quoi, oui, Strawberry il est pas loin. Ah, Strawberry, c'est un peu, voilà, c'est un peu en haut, mais bon, on m'avait dit qu'il y avait des cougars dans la région, alors je préférais rester dans le coin. J'ai trouvé quelqu'un pour me déposer. Non, ça va. C'est vrai? Bon, c'est moins sûr. Honnêtement, plutôt que d'aller à Blackwater à pied, c'est loin, hein. Là, oui. Effectivement, oui. Maintenant alors, que je... Strawberry, c'est avant d'entrer dans la ville, vous avez la charrette et l'écurie. Alors, je regarde ça sur ma petite carte. Ah oui, c'est vraiment ce petit coin juste avant. Oui, venez. On peut pas monter sur le bolico à deux, mais on va y aller. Oh, je vais juste me déshydrater un petit peu, j'arrive tout de suite. Macro, je veux boire un coup avant, parce que... Ah, la couille, c'est ça, exactement. On va boire.
J'aime pas son nom. Un conseil que je vous donne aussi, est-ce que vous êtes pensé à vous acheter une gourde? Ah oui, 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 je l'ai rempli. C'est vrai voilà. Que, voilà, tant que je suis là, j'en profite. Mais oui, voilà, oui, bien sûr. Vous pensez à la boire, la vider, pour vous la remplissez quand vous êtes à proximité de l'eau. Comme ça, vous êtes sûr d'être bon. Oui, oui, tout à fait. Petit à petit, ça prend plus de temps. Effectivement. C'est long. Un peu plus long, oui, je vois ça. Ah, c'est normal, on... Voilà, faut bien se positionner, quoi. C'est ça. Et vous êtes monsieur? Moi, c'est monsieur Cooper. Bradley Cooper. Bradley Cooper, mmh. Un nom, un nom fort joli. Bah, je vous remercie. Et vous, c'est comment, mademoiselle? Hop. Alors, moi, c'est Denise Duval. Denise. Pardon. Denise Duval. Ah, Denise et Duval. D'accord. Tout monsieur à fait. Denise Duval. Eh bien, pareillement, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes alors, ces informations. On va remonter là-haut, comme ça, vous allez pouvoir vous prendre une petite monture. Alors, après, si vous êtes capable de pouvoir le faire continuellement, ça, il y a deux choix en fait. Si vous faites la pêche et vous descendez ici pour continuer à pêcher, ouais. Enfin, plutôt pour le vendre ici pour vous faire un maximum de flics, ou vous achetez éventuellement un seau d'orpaillage au niveau du strawberry, et comme ça, en fait, vous pouvez faire directement en fait, la vente. Et avoir l'argent au niveau du strawberry, c'est que vous faites vos petits, vous pouvez les vendre directement là-haut. Avoir les deux, c'est pas forcément quelque chose de mal. Le lendemain est à peu près le même. Hein. Sur une heure, à peu près, oui. Vous êtes entre 50 et 80 pépites, quand vous êtes chanceuse avec les... Oh. La pépite, c'est 20 cents. Ah oui, d'accord. Vous voyez ce que vous faites. Et si vous faites une heure de pêche, c'est 40 appâts. Oui, oui, c'est ça. Donc, vous réfléchissez à combien vous avez. Des fois vous tombez sur des écrevisses à 10 cents, des fois vous tombez sur des bouteilles, bon bah pas de bol, on peut rien en faire. Oui, voilà. Certaines personnes qui ont besoin. Sinon, si vous êtes chanceuse, vous tombez sur les poissons. Poisson, ça fait 20, 25, puis 30 cents. Oui, ouais, j'ai pas été très chanceuse là. Bon, pile. Vous avez pas eu beaucoup de poissons? Eu beaucoup de bouteilles. Ah. Mais bon, j'en ai eu quelques-uns évidemment, mais c'est vrai que ça n'a pas été, le plus flux, le plus... Au pire, montez sur le bolico, vous avez vu travailler un peu. Oh bah, écoutez, hein, je n'ai jamais monté sur un bolico. Oulala, le bas. Pauvre, il va avoir du mal avec ma carcasse. Non, vous n'inquiétez pas, venez. Ça fait beaucoup de bolico, hein, par contre. Effectivement. Voilà, mais ici c'est tranquille, on va dire. Le seul souci qu'il y a sur l'obéi, c'est qu'il n'y a pas de banque. Ah, ça je savais pas. Du coup, votre argent pour la déposer, vous êtes un peu. Ah oui. Disons que je ne vais pas forcément recommander, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de problèmes. Ouais, j'y suis, je viens de Backwater. Oula, je vais peut-être pas. Ah, vous inquiétez pas. Ah, vous pouvez monter par le dessus si vous voulez sur les rochers. Hop là. Je vais monter par là, ouais. Oh. Il y a une petite route, je me suis oublié. Mais au pire, ça n'est pas. Voilà. Ancienne. Mais et... oui, j'ai vu hier, il y avait de sacrés loustiques, mais là, tout à l'heure, la ville était plutôt déserte. Oui, oui, ça arrive, c'est pour ça. Vous avez ouvert un compte là-bas ou pas? Non, pas encore. Bon, au pire, moi je vous invite plutôt à ouvrir du côté de Valentine. Valentine, ah oui, c'est un peu plus au nord, là, mais c'est plus calme. Bah oui, c'est ça. Mais c'est ce que je... En fait, c'est ce que je voulais faire. C'était un petit peu avoir. Me trouver un petit cheval, quelque chose, et puis bah pouvoir aller un peu ailleurs. Parce que c'est vrai que pour le moment, je suis obligée de compter sur la générosité de bons samaritains. Alors bon, j'en croise, y a pas de soucis. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile de visiter quand on est à pied, quoi. Ah oui, quand vous êtes à pied, non, c'est pas possible. D'ailleurs, donc moi, c'était un peu priorité. Genre, trop, elle m'a suivi, elle a fait les. Comment ça s'appelle? Elle a fait des choses magnifiques. Je ah pense oui d'ailleurs qu'elle est, elle est quasiment arrivée à la fin de son entraînement. Oh. Elle ah oui, d'accord. Choses, ah, vous avez une bête de compète, quoi. Ah, mais elle a déjà gagné une course. Ah oui. Oui, c'est la championne du Emerald de Hange. Il y avait une deuxième édition qui devait avoir lieu hier, mais faute de personnes, elle n'a pas pu se faire. Parce oh qu'il y avait un événement avec des amoureux, je sais pas quoi, du côté de Rhodes. Ah, j'en ai qui, je crois que j'en ai entendu parler au loin. Amoureux, les as, pas compris. Oh, je crois pas bien à ces choses, moi. Hein. Oh, ouf. Bon, les étoiles, ça brille la nuit.
Ouais, c'est pratique pour se repérer, quoi. Ouais, c'est ça. Bonjour. Ils sont passés à deux. On parle très malheureusement. Si j'avais eu mon mulet, j'aurais pu vous faire le monter, mais mon mulet, c'est un bandit. Ah, vous avez les deux. De gens par terre. Ah, d'accord. Du coup, je suis passé à l'âne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Très bien, merci, vous. Vous en qui le mar? Ah, très bien. La demoiselle jusqu'à l'écurie pour qu'elle puisse s'acheter une monture. Oh, ça faisait bien longtemps qu'on m'avait pas appelé demoiselle, merci beaucoup. D'accord, d'accord. Non, parce que justement, on se demandait si vous aviez besoin d'être fin. Le petit homme derrière moi se demandait si vous aviez besoin d'aide. Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. Bah, disons que... Je lui dis qu'elle peut le monter. Maintenant, elle peut se payer une monture avec des poches. Oui, pour être pratique. Pour avoir un mulet ou un cheval dégueulasse. D'accord. Oh, bon, il est un peu agité, dis donc. Ouais, mais il a pas l'air très très... Ah bah faut qu'il puisse se soulever le pauvre, hein. Je le plains un petit peu quelque part. Hein. Donc mon âne, mais elle est très bien mon âne. Ah bah oui, mais c'est plutôt pour la charge que je lui impose, disons. Hein. Ah bah elle est contente maintenant, c'est une demoiselle en plus. Hein. Ah, je vois ça. C'est une ânesse, mais non, elle est très forte, vous inquiétez pas. Hein. Ah, ça a l'air d'être une fière bête. Ah, c'est surtout une grosse bêcheuse. Hein. Dès qu'elle voit des chevaux, des fois elle essaie de mettre des coups de tête, je comprends pas pourquoi. Ah, ah oui, mais bon. Tu peux essayer, je suis pas sûr qu'elle fasse grand chose. Hein. Alors, rigolez pas, parce que la dernière fois ils ont fait une bataille entre le cheval et elle, et je peux vous dire que c'est elle qui a gagné. Ah, bon poussant, ah oui, monsieur l'a entraîné. Hein. Et bah, du coup, on va continuer à monter. Hein. Bah, bon courage. Ah, merci beaucoup. Bonne continuation. Au pire, on va aussi la cadence, ça va me faire courir un peu, perdre un peu de poids. Hop là, c'est parti. Ça vous pouvez un peu courir un peu avec la vous courez vite, hein. Ah, bon, voilà. Vous avez de mon genou. Je pourrais sprinter, mais là, faut pas déconner non plus. C'est plus de mon âge. Là, ah, vous risquerez de glisser, il fait nuit, hein. Oh là là. Attention. Ah, effectivement! Ah oui, je vais te l'éviter. Oh, mais. Mais que faisiez-vous dans le temps pour être aussi rapide? Et je fuyais. Je. Ça s'entend pas, quoi, putain. Bonjour, les messieurs. Bonsoir. C'est sûr et certain. Si, si, ouais, j'ai tiré. On va continuer à monter. Ah, effectivement, ça monte beaucoup. On devrait plus être trop loin. Putain, mais vous les avez quand même laissés. Moi, je vous remercie beaucoup de me laisser vous suivre. Je sais jamais, parce que moi, je me suis fait attaquer par des loups dans la région. Eh ben voilà, c'est un petit peu chose qui m'inquiétait. Moi, c'était pas des comment ça s'appelle ? C'était pas un cougar. Cougar, j'ai réussi à le battre à la course. À la course ? Vraiment ? Ah ben effectivement. Par contre, c'est ici que c'est. Si jamais vous entendez des loups, surtout n'ayez pas peur, elle est très courageuse, vous courez le plus vite possible, parce que c'était vraiment dans cette zone. Mais là, ça a l'air calme. Ils étaient sortis à 5 de la forêt. Ah oui, à 5 voilà, un peu plus fort. Vous vous inquiétez pas, normalement... Attendez, mais qu'est-ce que je fais moi? Je suis une loutre, c'est pas la bonne. Attends, bijou. J'avais gardé en tête le chemin que je devais suivre pour partir. Ah oui, je comprends. Non mais c'est pas grave, on va monter sur la bouche. Ça va aller, vous avez du souffle? Faut faire cet ami de prêter son bourrico. Ça m'a pas laissé à côté, c'était le cas en fait. C'est que j'ai continué tout droit. On n'est pas des sauvages, hein. Parce qu'il y avait une dame toute seule qui était pas très intimidante. Oh mais ça grimpe beaucoup, dis donc. Je suis déjà venu ici, donc tout va bien. Là, on va tomber normalement sur le camp des bûcherons. Ah. Donc, il travaille, il coupe le bois et compagnie. Ça sert pour pas mal de choses dans l'artisanat. Mais maintenant, pour travailler dans ces trucs, il faut se recenser. Et si vous désirez les vendre, ou même travailler chez eux, il faut payer une taxe. Oh. Voilà. J'aime pas bien ça, moi, les taxes. 5 $ hebdomadaire. Ah oui, quand même. C'est pour ça que l'orpaillage et la pêche, c'est pas mal au début. Parce que vous payez rien et ça vous rapporte des sous.
Bah oui, puis bon, voilà, je m'y connaissais un petit peu en pêche, je me suis dit bon, autant mettre à profit ce que je connais. Oui, et puis c'est l'accent, la pêche. Ah, c'est... voilà, c'était... Et puis le coin est très joli. Oui, oui, c'est extrêmement relaxant. Il faut garder ça en tête. Et laissez-moi regarder les secondes de mon calte, que je me souvienne. Et on prend la bouche. Vas-y, Bijou. Rattrape ton papa. Il reste qu'il y a des chariots. Oui, oui, tout à fait. Suivre des routes, je sais plus pas où. C'est... Ah, c'est par la bouche. Essaye de charrou. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. Disons que c'est quand même un peu déconseillé de tout de suite comme ça, alors qu'on vient à peine d'arriver, voilà. Mais oui, oui, bien sûr. Hein, tu peux même braquer, même en tant que voilà, là moi, dans le règlement, c'est pas du tout interdit. À mes risques et périls, je peux complètement le braquer, le monsieur. Oh, d'accord. Vous allez pouvoir vous acheter un cheval en train de dark. Alors, un conseil que je vous donne, venez. Oui, je vous suis. Hop. Alors, ce sera instinctif pour ouvrir les tables, vous allez voir. C'est juste à vous mettre là et vous comprendrez. Oui, en effet. Alors, pour les chevaux, attendez, faut que je fasse fuir le mien. Sinon, la demoiselle, elle va poser problème. T'es sur un âne, ça vaut le coup quand même. Bah, je vais peut-être prendre un mulet en vrai, hein. De prendre un mulet. Pour en avoir un maintenant. Alors, vous avez alors... les chevaux pas chers, c'est simple. Vous en avez deux types. Vous avez l'âne. Oui. Donc celle que j'avais qui fait un bruit magnifique qui casse les oreilles de tout le monde. Un petit type. J'ai peur si qu'elle fasse fuir le poison, quoi. Si vous voulez quelque chose de spécifique, genre le mulet ou le cheval pas cher, mais à moitié décalpi, ils sont dans les Other Horse. Ah, d'accord. Voilà, effectivement. Donc vous avez la mule. J'avais vu les spéciaux, mais ah pas, non, les, non, pas, les, pas les autres. Les spéciaux, c'est là justement où vous avez l'âne qui traîne. Les bah voilà. À 10 dollars. Donc vous avez ah oui, il y a la mule. Ou le Mangi Backup. Ça, c'est les pas chers. Après moi, si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vous prendre quelque chose qui sert dès le début et qui peut être pas trop mal, je vous invite à mettre 20 dollars de côté. Oui, bah et c'est... à vous prendre un grey au vélo. Un grey au vélo. Dans les American Paint. Alors, je regarde ça tout de suite. Oui, voilà. Il est voilà, joli, voilà. Il est... Il c'était est un peu celui-là que j'avais en projet. Voilà. Mais il est 20 dollars, celui-là. Il me manque 4 dollars. Hein. Effectivement, ils sont très jolis. Après derrière, il faudra penser à vous acheter des, comment ça s'appelle, des poches pour les animaux. Oui. Je crois que c'est 5 dollars pour acheter des poches. Après, attendez, vous savez quoi, monsieur? D'accord. Fural, on va faire ça, je le fais pas souvent, mais vous m'êtes très sympathique. Il vous manque combien? C'est 4 dollars, vous m'avez dit. Et voilà. Alors, tout à fait. Ben voilà, je vais vous les donner. Oui. Ça, vous serez tranquille. Mais enfin, c'est bien trop généreux. Ouf. On m'avait emmené jusqu'ici en plus en courant. Ouais. C'est bon, tout va bien. Tout est passé derrière le souffle, tout va bien. Voilà, vous n'êtes pas fumeur. Au moins vous pourrez vous acheter votre pommier le moment. C'est extrêmement généreux, je ne sais comment vous remercier, monsieur Bradley. Ah, je... Écoutez, j'ai entendu parler d'une superbe boisson récemment, le pastaga. Je vous inviterai à boire un verre de pastaga tantôt quand vous serez disponible. Oh, les guitounes, je les connais, vous inquiétez pas. Ah oui, j'ai l'impression que tout le monde le connaît. Oh mon dieu. Moi j'ai connu les deux frères et la sœur. La sœur, c'est, elle a un pistolet, elle sait pas s'en servir, elle tombe, elle tire. Ah. La sœur c'est Émeraude. Ou c'est je sa crois. Je crois. Mais elle était avec, mais je savais pas s'ils avaient un lien de parenté ou pas. Ah je sais pas, mais quand elle parle, elle a une manière bien spécifique de parler. Ah d'accord. Mais en tout cas, effectivement, lui en tout cas, il m'a fait son petit jeu et je veux dire que ça rentre dans la tête. Hein. Ah oui. Mais quand il reste sous son pastaga, c'est magique. Ah c'est... Voilà. Ça fou. Ah, moi j'ai vu toute la famille d'un coup, ça fait mal. En plus, ils sont ah tous oui. jaunes. Oui, et eh bah oh. Voilà, là il y a lui qui était tout en jaune. Bon, ça se voyait de ah loin oui. tout de même. Hein. Ah, mais moi ils étaient trois, donc. Oh ça mal, ah, ça c'est une action commerciale, comme on dit, quoi. Voilà, vous avez action coup de poing. Ah, merci beaucoup. Du coup, bah, si vous voulez faire un peu plus de pêche de votre côté. Ah, attendez, mais
il vous reste un peu d'argent pour vous acheter des appâts si vous voulez continuer à... Alors, il me restera un dollar et quelques, je crois. Oh là, cela, je me suis fait largement, oui, vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, vous pouvez vous acheter jusqu'à 50 appâts sur le groupe. Ah d'accord, j'avais fait une trentaine au max pour le moment. Oui. Et j'allais, ça allait, c'était pas trop lourd. Vous pouvez partir sur 50, ça vous prend de 1h20, quelque chose comme ça, pour le faire en entier. Si vous les faites tous d'un coup. Ah oui, c'est intéressant. C'est 1 minute 30. Oui, c'est ce que j'ai vu, oui. C'est ce que j'ai vu, même les petites... les petites écrevisses là, elles résistent pas mal. Ce qui est, c'est qu'en fait votre appât il reste dedans et à un moment donné il s'accroche à quelque chose. Hein. Oui. C'est tout. Et puis les bouteilles, les mangent aussi. Oui. Ça, c'est bon. Bouteilles voraces quoi. Bon après les bouteilles ça me dérange pas, je voulais le planter. Oui, bah oui, bien sûr. Bah du coup, vous habitez par où vous? Vous errez de quel côté? Moi j'y aille partout. Là j'ai ouvert mon étable du côté de Tumbleweed, mais de base je suis du côté d'Annesbourg Saint-Denis. Oui, bah oui, Saint-Denis, j'ai cru comprendre que c'était la plateforme, quoi. Tout le monde passe par là. Non, non, c'est plus Blackwater que vous voyez plus de monde. Hein. Ah, bah c'est bon à savoir. Saint-Denis, il y a beaucoup de monde aussi, mais Blackwater, c'est là où il y a le plus de bandits. Oui. Voilà, donc évitez les bandits. Ah, je les évite. Disons que j'en ai croisé quelques-uns, c'était des sacrés énergumènes. Bah voilà, mais si je peux vous inviter à faire quelque chose, au pire, si vous faites votre petit orpaillage du côté de Strawberry, c'est tranquille. D'accord. Si vous ouvrez un compte, allez plutôt du côté de Valentine. Oui, bah je connais pas la ville, donc moi ça me ferait bien plaisir de la voir. Oh, c'est une petite ville, Valentine. Mais le côté positif, c'est que vous avez le temps, si je me trompe pas, qui passe par là aussi. Hein. Des fois, vous voulez passer. Ah, attendez. S'il passe à Valentine ou pas? Oui, si, il passe à Valentine, il me semble. Ah peut-être, oui! Peut-être pas. Il fait Ridge Station, en fait, un egg. Ah non, il passe pas par Valentine. Autant pour moi, non. Mais il passe par Strawberry le temps. Vous avez Ridge Station un peu plus bas. Le oui, d'accord. C'est, le train, c'est un train que vous verrez en fait qui passe là des fois. Il passe là deux fois par jour, deux ou trois fois par jour. Et le billet en fait pour faire le tour. Donc il fait Annesburg et il fait toute la boucle, c'est-à-dire Saint-Denis. D'accord. Je crois qu'il fait Rhodes, Saint-Denis, Rhodes, Flatneck, Ridge, et puis il monte du côté de Wallace, après il va du côté d'accord, du ah oui, oui, je suis le chemin, et oui, jusqu'à Ridge. Comme ça, mais il passe pas par Valentine, et il ne va pas du côté des... Ah, il passe pas par Valentine, ok. Non, il passe pas par Valentine. Ok. Donc voilà. Ah, il fait une sacrée boucle, ah oui, il fait une grosse boucle, quand même. $5 à n'importe quelle station, et ça vous emmène du côté de... D'un côté comme d'un autre, si par exemple ça vous fatigue de prendre le train. Et vous verrez, c'est assez instinctif. D'accord. Vous attendrez un train qui va arriver directement pour vous prendre. Et puis voilà, quoi. Bon, c'est fort pratique. Voilà. Mais ça coûte bon quand à savoir. $5. Combien? 5. 5. Voilà. Alors. Donc, vous avez un cheval. J'ai un cheval. Voilà. Puis bon, on va visiter un petit peu. Hein. Voilà, c'est ça. Commencez à continuer un peu la pêche. Comme ça, vous pourrez lui mettre une selle et puis des poches. Oui. Comme ça, vous pourrez, si vous avez des poches pleines, vous pourrez les mettre sur votre cheval. Bah oui, c'était un petit peu le but aussi, c'est pour ça que bon, je me disais, je préfère attendre de pouvoir avoir... Un cheval qui vaut le coup, là vous en avez un qui est pas dégueulasse, honnêtement. Ah bah tout à fait. Même si je ne veux pas dénigrer les mules, hein, ou les ânes. Votre ânesse, c'est très... Les mules, honnêtement, elle en a mis 4 ou 5 par haut, si, vous pouvez les dénigrer. Vous avez le droit. Honnêtement, vous avez le droit. L'âne, c'est autre chose. Ça, c'est... J'en avais mal de la mule, et moi, quand on m'a dit oui. Un âne est disponible, vous pouvez mettre des poches derrière dessus, j'ai fait. Oui, bon, bah ça, je savais pas. Je vous avoue, je pensais qu'il pouvait pas porter autant. Oui, il faut faire attention, parce qu'en fait, c'est des animaux de labeur, les ânes. C'est vrai que normalement, ils sont connus pour ça. Voilà, donc vous inquiétez pas qu'ils travaillent dur comme tout le monde. Mais ils font un bruit, on dirait des locomotives. On les entend de loin, quoi. Bah, du coup. Essayez votre cheval maintenant. Vous oui, tout à fait. Je vais le sélectionner au fait. Hein. Je vais tout de suite. Alors, le choisir. Vous avez pensé à le nommer? Ah bah je l'ai même pas. Je l'ai pas encore acquis. Ah, vous l'avez pas acheté encore? Pas encore. Je regardais un petit peu ce. Oui, bah c'est très bien ça. Bah disons que je prends celui-là hein. Comme étant le premier cheval, par la suite, vous pouvez prendre autre chose. Par la suite, quand vous aurez des fonds qui rentreront bien facilement grâce justement au cheval. Vous allez voir qu'en travaillant avec l'orpaillage, ou même la... comment ça s'appelle? Et avec la pêche, ça rentre là assez facilement.
Oui, d'accord. Ouais. Je suis, vous passez une heure, par exemple, à travailler, comme je l'ai dit, l'orpaillage, vous faites entre 50 et 80 pépites. Comment le nommer ? Ça vous fait entre 5 et 8 dollars. Ah, d'accord. Vous faites toute la session comme ça, sur 3 jours, par exemple, une heure, tranquillement, pour profiter de la vie. Et, hop, oui, bah dans les heures un petit peu creuses, quoi. Vous avez déjà l'empoussé le cheval. Vous l'avez appelé comment, votre mule, vous ? Oh, moi, ma mule, elle a un nom japonais. Oh, japonais ! Ah oui. C'est la déesse de la victoire. Ah, d'accord. Et au passage, ici, il faut que je passe à Strobeli pour lui dire que j'attirais la foudre. Waouh, mais oui, tout à fait. C'est pour ça que ça a tonné tout à l'heure, je comprends mieux. Ah non, mais à chaque fois que je suis là, il tombe. Ça tombe beaucoup, hein. J'ai remarqué, je suis passé une petite heure dans le coin. Oh, disons que j'ai vu 4 orages, quoi. Oui. Moi, j'en ai vu 3 tumbleweed et j'ai même vu de la pluie. Et pourtant, c'est le désert, hein. La rose, le désert, quoi. Ah oui, bah, ça nous a fait du bien, parce que j'ai 30 degrés toute la journée. Ah oui, c'est vrai qu'il fait drôlement chaud dans le coin, hein. Oui. J'étais à Blackwater, dis donc, il y a de la fumée partout. Oui, c'est une femelle là. Faut peut-être du brouillard et compagnie, mais essayez Saint-Denis un jour, vous verrez ce que c'est la soleil de la chaleur. Là. Ah bon ? Ah, faudra peut-être un jour, j'irai me changer alors. Le bayou, c'est quoi ? Bon, j'appelle comment les avec gars ? Les alligators, les moustiques, la lourdeur. Ah oui, bah j'y suis pas encore allé. Ouais. J'attendrai de peut-être avoir un petit peu d'équipement peut-être. Non ? Bon, je sais comment je vais appeler. Vous avez trouvé votre nom ? Oui, ça a mis du temps. Elle l'a appelé les chevaux. Non, j'ai appelé Minotte, parce qu'elle est mignonne. Ah, c'est une petite Minotte, quoi. J'ai pris une jument, tout à fait. C'est bien ça. Au moins, elle n'a pas la tête qui tourne dès qu'il va passer une autre. Elle va passer une jument. Oh, bah, vous savez, hein, y en a certaines, non ? Le mec, il claque. Il va nous claquer, c'est les cages. Ah oui, et du coup, je peux voir un petit peu comment. Là, vous avez la petite fiche du palefrenier qui vous donne les statistiques, oui. Eh ben, elle est saine en tout cas. C'est une bonne chose. Rien, ça. En général, saine, c'est simple, c'est si elle est tombée ou pas. C'est la différence. Oui, bah, parfois, on nous dit pas tout hein, quand on achète un cheval. On vous dit le blessé. On va éviter, surtout le premier jour. Ah bah oui. Ah oui. Combien coûte la selle ? Je crois que c'est 5 ou 10 dollars. Les premières, c'est ça. D'accord. Ah oui, d'accord, oui, faut que j'aille voir toutes les selles et puis là, on nous indique le prix. C'est ça, vous sélectionnez. Les premières, c'est les moins chères. D'accord. Bah, c'est pas forcément les plus belles, mais bon. Et le je peux. Oui, je pourrais monter sans selle ou pas ? Le oui, temps. Vous pouvez monter sans selle, bien sûr. Moi, oh, je suis une dame, c'est moins dérangeant. Je dirais que pour un monsieur, c'est peut-être un peu plus compliqué. Non, mais disons que la première chose, la plus importante, c'est juste acheter des poches. Les poches. Les fameuses poches pour pouvoir ranger sur votre cheval. Comme ça, au final. Ah oui, les sacoches. Vos poches à vous ne seront plus limitées au poids que vous pouvez porter. Vous pouvez en mettre sur votre cheval. Ouais, effectivement. Et c'est 5 dollars aussi, d'accord. Voilà, donc c'est pas. Ok. Bon bah de toute façon, ce sera pas tout de suite, hein. Ce sera pas tout de suite, On va aller réfléchir un peu. C'est pas mal, non ? Pardon ? C'est bon pour ce soir, là. Oh bah ce sont pas mal, oui. Bah grâce à vous, hein. Vous avez été, vous avez été d'une aide incroyablement précieuse. Là, je viens de Strobeli, là déjà je suis arrivé jusqu'ici, c'est un miracle. Merci beaucoup. Ah non, j'étais de Strobeli, à Tumbleweed, pardon, je suis arrivé ici à Strobeli. Ah oui, c'est un peu loin, un peu plus loin, oui. Ouais, donc il faut que je retourne du côté des Saint-Denis, mais je ferai ça demain dans l'après-midi, je pense. Je vais me cacher quelque part, sous un petit bosquet ou quelque chose comme ça, je vais passer la nuit. Je repose un petit peu dehors, là. Bon, abritez-vous quand même avec l'orage. Ah ouh, avec moi les orages, là, je me fais pas peur. Oui, tant que l'âne est avec vous. Non, vous inquiétez pas, c'est moi qui contrôle les orages. Ah. On m'appelle le dieu du tonnerre, mais j'ai oublié mon marteau. Il a un marteau au dieu du tonnerre. Effectivement, oui. J'ai cru entendre cette légende. C'est plus une enclume. Oui, je sais pas s'il a une canne à pêche, par contre. Possiblement, si. Vous savez siffler ou pas ? Alors, j'ai su. Vous connaissez votre alphabet ? Vous connaissez très bien.
Après le G, qu'est-ce qu'il vient? H. Allez, siffler comme un bois. Allez. Ah, c'est pas facile de faire un H aigu, mais ça fonctionne. Oh, comme il arrive là. Regardez là comme elle est belle. Waouh. Doucement, doucement, Bijou. Oh, bah merci, disons. Mais, et pour l'apaiser un petit peu. Oui, dites-moi. Là, et l'alphabet, mais avant le H et après le G. Ah oui. Bah, restez un peu. Faites les G. Faites des petites G, comme on dit. Et voilà. Ah, mais oui, bien sûr. Voilà, et ça augmentera petit à petit son. Comment ça s'appelle là? Son attrait pour vous. Oui, elle m'appréciera de plus en plus si je suis sympa, quoi. Voilà. Si par contre vous voulez l'entraîner pour la faire progresser plus vite, vous pouvez aller du côté du ranch. Oui, il y avait un ranch pour les chevaux, j'ai cru comprendre. C'est ça, oui, du côté des entraînes. Le ranch McFarlane. McFarlane, il est au sud de Blackwater. D'accord. Voilà, je vais ramener ça. Le 4. Voilà, ça c'est. Bon, du coup, Miss et Denise. Bah, merci beaucoup, je ne sais comment vous remercier. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un petit télégramme. Avec plaisir, bah même pour vous remercier, et puis bah j'aimerais voilà, j'aimerais vous renvoyer l'ascenseur quand je pourrai, on a pareil plutôt. Oh, vous inquiétez pas, au moins maintenant vous êtes attelé, vous avez un beau cheval, ah vous oui. Reste plus qu'à travailler un petit peu, et puis le cheval sera habillé de la tête aux pieds. Oui, effectivement, il est un petit peu nu là, mais disons bon. Commencez par les poches, puis après vous pourrez faire le lacet. Le lacet est un petit peu, comment dire, accessoire, c'est à votre bon vouloir, parce que c'est beaucoup d'argent de dépenser sur un cheval, éventuellement, ou vous prendrez peut-être un autre par la suite. Là, disons, c'est votre premier cheval. Oh bah, pour l'instant, on va apprendre à se connaître avec la ministre. Voilà, c'est ça. Entre dames, on va s'entendre. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, portez-vous bien. Hein. Et puis, bah, très bon repos. Et effectivement, bah voilà, Denise Duval, si vous voulez aussi me télégrammer. Je vous enverrai ça, y a pas de soucis. Bah merci beaucoup, je m'en vais pêcher et puis bah, et puis très très bonne Pardon ? Il va falloir acheter des appâts, non ? Oui, effectivement. Bah, allez, c'est un détail. Effectivement. Allez, Astorbelli qui est juste à gauche. Ah bah comme ça je connais pas. Là c'est à gauche tout de suite là ? Ah juste à gauche, là c'est juste à gauche, vous entrez Astorbelli dans... Allez, même pas 20 secondes. Ah bah sublime, merci par beaucoup, contre, vous êtes un sacré gentleman. Voilà, c'est rester au maximum, si vous voyez cette vitesse, c'est comme ça dans la ville. Hein. Pas de oui, coup, pas de oui bien sûr, que je me mette pas à valdinguer dans la ville. C'est ça. Merci. Allez, beaucoup. Eh bah merci, très bonne soirée à vous. Oh, trop sympa, Trop sympa, hein. Oh, trop sympa. On a un cheval! On a un cheval! Et on arrive à... J'ai oublié Strawberry? C'est ça. Alors je suis dans mon cheval, je crois. Bon, Bradley. Bradley Cooper. Peut-être t'es pas obligé de se dire non tout de suite, oh minote. On va rencontrer d'autres gens, c'est rigolo. Bonsoir messieurs. Nawa. Nawa guerrière. Bonsoir. Nawa à vous. Oui, il faut que je la fasse m'aimer. Je cherche où l'attacher. Est-ce que je peux l'attacher à côté? Aucune idée de comment l'attacher. Regardez vite fait. Voilà. Monter, descendre, galoper, interaction. Attendez, je vais essayer de l'attacher, mais je ne sais pas trop comment. Hmm.
Et voilà, Biu. J'aurais dû appeler Biu, j'ai appelé Minot. Mon dessus, il maintient E. Pourquoi? Oh, c'est bon. Oh, en plus, elle est même pas agitée. Alors. Éviter d'aller dans la prison. General Store, on va aller au General Store. Remonte dessus. Mais pourquoi? Mais comme ça aussi. Ah. Bon, je sais pas, j'ai pris la bride et puis voilà, je l'ai attaché quoi. Full RP hein. Ok, du bruit comme ça. Je vais regarder ce qui fait du bruit. Oh, j'ai faim un peu. Je vais m'acheter à manger. Bonsoir monsieur. Oh, ça fait drôlement du bruit, mais c'est joli. Désolé, hein, je découvre la ville. Oui, pour causant. Je parle peut-être un peu fort, je vais mettre en... comme ça. General Storm, on entre où? On va l'apporter là. Bonsoir, messieurs. J'ai reçu un télégramme. Oh, waouh! Incroyable. Acheter de la nourriture. Acheter... Ah, chaque fois je me trompe. Tac. J'ai envie de défiler avec, avec ça. Je vais me prendre juste un petit morceau de pain. Et puis on va acheter des appâts et puis on va les pêcher. Hein. Pour se refaire un tout petit peu de sous. Et au moins, voilà, après on aura la base et on pourra acheter les 2-3 trucs qui nous manquent et puis voilà quoi. Je les ai sautés les appâts, je pense. Arrosoir. Bâton. J'ai pas vu d'appât. Attendez. Torche. Pierre. Œuf. Cigarette, fumigène, café. Prochain achat à l'avion. Ouais. Non, en vrai, si je continue de pêcheuse, peut-être pas sûr du tout, mais voilà. Mais même pour les origines. Canne à pêche, bah il va y avoir un pas alors. Un petit. Comment ça s'appelle? Un petit barque ou un petit truc. Bah pas d'appât. On est d'accord, j'ai vu canne à pêche, mais pas à pas. Ça m'embête. Ah, sinon, on retournera à Blackwater. Hein. Maintenant, on peut y aller facilement. Casserole, arrosoir, gourde, pelle, bonbon à la fraise. C'est terrible, mais j'ai encore envie d'aller aux toilettes. C'est du thé. Bon, et ben, on a peut-être plus après, mais. Acheter des objets, ou acheter de la nourriture. Ah, c'est l'espace. Mince, je suis revenu en arrière. Mais de la nourriture, on a vu. Bon. C'est un souci, ça. Un nom spécial à strawberry parfois. Ah! Bonsoir, messieurs. Leur Griffins ou quelque chose comme ça? Ah ouais? Bon, ça va pas m'arranger. Je vais regarder un truc à 2$, t'as raison. Ah, faut le savoir, ça, hein? Heureusement que vous me le dites. Du coup, les objets du commerçant. Et je vais chercher à 2$. 2$, 0,2 cents plutôt. Enfin, 2 cents quoi. Bâton en bois. Ah oui, Griffin n'a pas, punaise, j'ai pas vu. Monsieur Barbu qui a la croisée. Mais c'est vous, monsieur. Monsieur Cooper. Merci beaucoup pour l'aide. Merci.
C'est énorme. Ah mais non, mais c'est fou. J'ai pas croisé beaucoup de gens aujourd'hui. Mais les peu que j'ai croisés m'ont beaucoup aidé. En fait, j'ai croisé deux personnes. Monsieur Bradley Cooper. Ah bah j'ai noté, hein. J'ai noté, hein. La générosité nous a, n'a pas laissé... votre générosité n'a pas laissé Denise indifférente. Sachez-le. Merci, merci, merci. Faut que je mange, moi. On mange au bord de l'eau, tiens. Bonsoir, monsieur. Madame, peut-être. Bonsoir, humain. Eh, hey, bonsoir, bonjour. Ah, bonjour, bonjour, désolé. Je voulais pas vous déranger. Ah, vous me dérangez pas, hein, y a pas de problème. Oh, j'ai peur de glisser, moi, ici. Ah oui, faites attention, les roches sont glissantes. Ah oui. Et l'eau est très fraîche. Hmm. Oui. Ouais, non, j'ai juste pris du pain pour en avoir. Je viens tout juste d'arriver, d'arriver à Blackwater et j'ai pu faire l'acquisition enfin d'un fier canasson, donc je visite un petit peu les alentours. Ah bah félicitations. Oh, merci. Et vous donc? Vous êtes du coin? Depuis 5 jours. Ouais. Ah d'accord, donc vous êtes récemment arrivé aussi. Et voilà, oui. Et qu'est-ce que vous faites du coup? En ce moment, mon travail c'est menuisier. J'ai cherché du travail comme bûcheron, mais j'ai jamais trouvé les patrons, alors Je suis venu ici. Ah oui, oui, on m'a parlé du coin des bûcherons qui était pas très loin. Ouais, je crois que c'est les frères Walker. Je sais pas s'ils existent pour vrai. Je les ai jamais vus. Je les ai pas croisés, mais bon, j'ai croisé du monde, mais je pense que j'ai encore beaucoup de gens à croiser, disons. Oui, sûrement. Vous vous êtes fait recenser, vous? Oui, tout à fait. Tout à fait, au premier jour, j'ai cru comprendre qu'il fallait que j'aille voir les shérifs. Ouais, et il y en avait tout en tort, ça tombait très bien. Bon, j'ai fait quelques... disons que j'ai eu quelques petits soucis de coude en leur présence. Ils ont été fort compréhensifs, parce que... Ah, c'est l'arrivée, vous savez, ça engourdit les membres. Ah bah oui. Dites, vous faites quoi? Je crois que vous allez partir un petit peu à l'aventure, découvrir des nouveaux endroits. Tout à fait, tout à fait. En fait, je suis fille de pêcheuse. Et j'essaye de voir un petit peu si dans le coin il y a des petits endroits pour trouver du poisson, quoi. Ouais, j'ai trouvé des petits endroits sympas, mais disons que sans cheval, c'était un petit peu compliqué de ramener mes poissons et de les vendre, quoi. Bah oui, oui, oui. Salut, oui, Patin, salut, Hugo. Dites, vous vous nourrissez d'autre chose que du pain, j'espère? Oh, pardon. Oui, oui, tout à fait. Je vais d'ailleurs aller au saloon parce que je commence à avoir une petite faim. D'accord, bah vous avez bien compris. Faites pas comme moi. J'ai acheté trop souvent du pain et ça vaut pas la peine. Oui, oui, j'ai bien vu que bon, le ventre continue à se gargouiller après, quoi. Eh oui. Pas très nourrissant. Pourtant, j'aime bien le pain, je suis française, mais bon, ça ne suffit pas, ça ne se suffit pas, quoi. Ah, c'est bien. Le saloon, c'est un très bon endroit. Oui, j'entends à votre accent que vous venez du Nord, vous. Eh oui, je viens du Canada. Eh oui. Eh oui, je pense que vous avez bien trouvé. Oh, léger, léger. Ah, vous avez l'oreille. On n'a pas dû vous la faire beaucoup, effectivement. Et donc, vous, comment vous allez faire maintenant si vous êtes pas... Si vous bûcheronnez pas, vous avez trouvé autre chose à faire? Éventuellement, oui, je vais voir où la vie va m'amener. Là. Oui, je comprends. Bah, c'est un petit peu ce qui est conseillé de faire des rencontres. J'ai fait de fort bonnes rencontres. Et ça va être pas mal. Hein. Bah oui, oui, effectivement. Vous savez, je me présente, je ne me suis pas présenté. Mon nom, c'est Woody Wood. Oui, j'allais vous demander. Woody Wood. Ah bah oui, oui, bûcheron. J'ai l'impression qu'il y a un petit sens, quoi. Eh oui, trois bûcherons de troisième génération, père en fils. Hop. Woody. Et vous? Wood. Hop là. Moi, c'est Denise Duval. Denise Duval. Alors, enchantée, mademoiselle. Eh ben, de même. Ça fait très plaisir de rencontrer des nouveaux... des petits nouveaux en ville comme moi. Oui, disons que... C'est une ville qui bouge... Ce sont des villes qui bougent beaucoup dans le coin. Donc, c'est pas agréable de savoir que... qu'on n'est pas la seule à débarquer là-dedans, quoi. Eh non. Et ici, vous allez voir, c'est très agréable comme coin.
Ah bah c'est très joli en tout cas, hein. Effectivement, je connaissais pas, moi je suis beaucoup sur Blackwater depuis, depuis que je suis arrivé hier. Et ah bah c'est déjà très joli, hein. Vous avez eu l'occasion d'aller sur les petits bateaux ? Non, il y avait personne pour ça. Mais j'ai pu voir qu'effectivement il y avait du monde sur... Il y avait du monde près du port, quoi. Ça s'embouteillait presque les bateaux. Ah oui ? Un petit peu, oui. Ah, moi je les ai vus de loin, je me suis pas rapproché encore. Ah bah voilà, je les ai vus aussi de loin. Bon, je me suis dit que j'allais faire ça plus tard aussi, quand j'aurai enfin un cheval. Et j'ai pu en avoir un, grâce à l'aide d'un généreux voyageur qui m'a croisé. Ah, waouh! Vous êtes vraiment chanceuse. Bon, monsieur. Je me pousse un petit peu si vous avez besoin de... Voilà, de vous déshydrater un peu. Bon, bah je m'en vais manger un petit morceau, je vous souhaite une très bonne journée en tout cas, messieurs. Et puis la revoyure. Je vais aller manger, mais j'ai plus de sous en fait, je viens de me rendre compte. Donc on va manger un petit plat, j'ai encore des plats sur moi. On va se faire un petit plat et puis on va aller pêcher. Hein. Juste pour avoir... vous déshydrater. Ouais, je sais pas, j'ai dit ça. Ah c'est... Je suis très concentrée. Oui, déshydrater, ah oui, pardon. Ah ouais, bon j'avais... Voilà, j'ai encore ça sur moi. Let's go. Ici, vélo. On n'a pas besoin de manger jusqu'au bout, on est d'accord. Moi j'aime pas lâcher une assiette pleine. C'est psychologique. T'as vu les newslogs sur l'arène ? Non, pas du tout. Allez manger avant que ce soit trop tard. Oh bah j'avais de quoi faire sur moi, donc bon, je me suis dit allez. Attends. Allez à la revoyure, l'ami. À la revoyure. Elisabeth est décédée. Quoi ? Vraiment ? Oui, évidemment. Ouais, c'est le genre de news où, bon... Même si tu veux l'éviter... Bonjour. Non, on va aller se faire un tout petit peu de sous. Alors attendez, il y a quoi ici? Parce que bon... Ah oui, pardon. Après, elle dit des pots et des lots aussi. Hein. L'après-midi aujourd'hui... Non mais oui, non mais... On le sait tous, hein. Oui, on le sait tous que la reine est décédée. Et c'est, comme je dis, c'est impossible d'ignorer ce genre d'annonce. Est-ce que je peux attacher mon cheval à un arbre ? Alors vous m'avez dit eux. Ouais, bon. Alors, idée ? Ah, je peux pas l'attacher à cet arbre. Viens, ma petite minotte. Moi, j'en mets toute la journée, je viens de la prendre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà. À partir du moment où t'es réveillé, tu le sais forcément, quoi. Ah, bon. À partir du moment où t'es réveillé, tu peux pas y échapper à cette annonce. Je voulais voir ce qu'il y avait là, mais j'ose pas de descendre de ma monture. Oui, t'inquiète pas, je suis là. Bon, je vais descendre. Je vais voir vite fait ce que c'est là. Du coup, je peux me faire des sous ici, en chercheuse d'or, en gros. Oh là là, comment dangereux ça.
Il n'a pas de seau. On bossera plus tard. Ah, il faut m'acheter un seau et faire ça. Et c'est ça qu'il nous disait. Ouais, ouais, d'accord. J'avais pas... J'étais pas sûre de l'endroit. Et j'ai pas encore de quoi m'acheter un seau, donc on va... Cours pas. Ça va, Bijou. Oh, quelle belle bête. Et rien qu'à moi. Qu'est-ce qui était gentil, ce monsieur? Il était gentil, hein. Un minute. Ah non, j'ai pas l'impression que je peux les attacher aux arbres. Bah des poteaux. Des poteaux faits, ou alors certains arbres peut-être très particuliers, je sais pas. Il me semblait que oui, mais peut-être que non. En tout cas, il y avait un peu des gens là-bas. Mais bon, on va quand même se faire un tout petit peu des sous. Belle sacoche. Oui. C'est vrai qu'il faudrait que je la brosse. Et je lui donne à manger peut-être des fois. Perdu, Elisabeth, depuis quand? Oh. L'a-t-on jamais vraiment eu? Allez, un petit peu de galop. Oh bah dis donc. Y'a quelqu'un? Bah dis donc, y'a eu un accident. Enfin un accident, c'est vite dit hein. Moi je connais hein. Faudrait que je donne à manger. Je vais pousser pour récupérer le château. Ouais mais t'avais beaucoup de rêves qui seront inaccessibles apparemment. Coup de locu hommage, oui tout à fait, il y en a déjà. Ouais. Bonsoir monsieur. Visiblement tous les éléments sont présents sur la map, donc ça devait être identique, non? Pas forcément, non. Il y a des trucs qui... Enfin, tu parles, tous les éléments présents, tu parles... Ah voilà. Ouais, faut lui donner à manger, ouais, effectivement. Mais pour la map elle-même, il y a des choses qui changent. Qui peuvent être avoir été déplacées, mis, enlevées, modifiées, des espaces et tout. Typiquement, je sais qu'ils ont fait... Ils ont fait des endroits des, pour les Indiens et tout ça qui changent. Enfin, ah non, plutôt les natifs. Qui sont spécifiques et tout. Donc voilà, certaines choses qui sont pas forcément présentes par rapport au jeu au online classique. Attends Bijou, je regarde un petit peu ma carte. Oh bah j'ai pas trop mal. Que je descende. Oui, c'est ça. Oh. Bah t'as pas envie, Didou. Je vais rien voir, moi. Doucement, gourba, y'a du sable. Les plantes, alors ouais, faudrait que je vois ça. Bonsoir, monsieur. Alors. Est-ce que je peux passer? Pas trop, hein. Pas grave. Il
D'abord pour les plantes alors. Ouais. Mais je vais voir si j'en trouve. Ah, j'entends des grenouilles. Donc on va s'éloigner du campement. Je dirais ce que je coupe, mais bon. On va pas couper, hein. Merci Gilo! Bon RP, merci beaucoup! J'ai même pas fait de VOD ce soir. J'ai même pas fait de VOD, mais je croyais pas grand monde. Et puis bah, quand on a croisé des gens, c'était des personnes fantastiques. Merci beaucoup! C'était toujours sur The Last of Us, j'ai vu. Merci, merci, j'espère que ça se passe bien. Bonsoir les raiders! Salut David Mansion. Quand je consulte ma map, chaque fois ça fait un truc. Oui, il tape. Oui, j'aime beaucoup le 1. J'étais plus mitigé par rapport au 2, mais ça reste un bon jeu. Hein. Ça reste même un très bon jeu, simplement. C'était très personnel. Mais ouais. C'est pas cool alors, t'as passé une bonne soirée. Merci beaucoup pour le raid. Et bienvenue à vous. On vient tout juste de croiser un monsieur, enfin du monde en fait, là j'ai juste besoin d'un tout petit peu de sous. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'est que ça dis donc? La carotte. Bon, vous qui c'est qui laisse tourner des carottes comme ça? Bijou, tu veux des carottes? J'espère que c'est pas un piège, parce que bon, le budget pour le piège serait disons un petit peu vexant quoi. J'avais besoin de nourriture pour mon cheval, qu'est-ce que je trouve? Des carottes. Je vais voir avec quoi je peux nourrir du coup. Maman, Red Dead Redemption 2 m'a mis une grosse claque. Oui, oui, moi aussi. Hein. Moi aussi, tout à fait. Hein. Ah, je peux pas choisir. Ou alors j'ai peut-être que des carottes. Oh, comment il est trop content. Allez bijou, on va pouvoir s'éloigner. Mais lol, les carottes, j'ai trouvé des carottes sans rien faire. C'est-il pas incroyable quand même? Ok, bien des carottes. Oui mais là j'ai trouvé dans une sacoche. Et c'était 4, donc c'était sûrement quelqu'un. Soit un événement, des trucs qui sont posés des fois aléatoirement, c'est possible. C'est totalement obusipo. Soit quelqu'un qui a acheté des carottes parce qu'il avait trop de trucs. Aussi c'est bien possible. Bonsoir, bonsoir. Ah ça c'est l'orange. L'orange de la demoiselle qu'on a croisé tout à l'heure. Effectivement on est pas loin. On va aller pêcher un tout petit peu. Que bon. J'ai tout mis dans le cheval quoi. Non mais c'est très drôle, j'avais besoin de cheval. J'avais besoin de carottes. Je tombe sur des carottes posées là, comme ça, sur le bord du chemin. J'avais besoin d'un cheval. Je tombe sur un monsieur fort sympathique. Une minute, le cheval va aller faire la chaise de sa vie. Je tombe sur un monsieur fort sympathique qui me paye mon cheval. Ah, on y est. Je vais descendre plutôt par là-bas. Hein. Un cheval et c'est des carottes, ça devrait bien se passer. Ouais non mais tu sais les carottes elles sont ultra faisandées, tu sais. Ça pas de peau. Voilà on va passer par là. Mon cheval fin. Oh tiens des carottes sont apparues. C'est pas scripté je vous le jure. Super spot à carottes au sud-ouest. Après les carottes sauvages et les carottes qu'on achète je crois. Ou qu'on plante. Je pense qu'il faut les acheter moi, ça m'étonnerait pas parce que ça ferait, voilà, ça fait vivre un petit peu le bijou. Ça fait vivre un petit peu les métiers quoi.
T'as besoin d'un autre truc là? Oh bah il me faudrait bien une selle hein. Est-ce que quelqu'un t'écoute? Allez on va aider la débutante là, elle galère. Oh bah comment on descend? Ça va être compliqué là. J'ai pas fait le meilleur choix, désolé Biou. Alors j'aurais besoin d'une selle, des sacoches. Bah quelque part. Et sinon... Waouh. Ah non, je veux pas. Pff, vous avez vu ma tête là, j'ai eu très peur de ce que je lui faisais faire. On va retraverser. Un petit lingot d'or ou deux. Oh, un petit quoi. Bon, vous savez, hein, je demande pas beaucoup. Hein. Quelques lingots d'or et puis hop. Un endroit où les échanger, à très bon prix. Et puis c'est bon, hein. Vous savez, je suis une personne simple. Hein. Non, mais tu te coinces là, Biou. Voilà. C'est bon, là, je peux marcher là. Ah, c'est plus compliqué, hein. Voilà, là, ça devrait pas être trop profond. Non, c'est bon. Bon, j'ai peut-être pas besoin de l'accrocher ici, vu que je suis seul tout. J'ai appelé Bijou, en fait. Oui, c'est trop tard. Ah, elle s'appelle Minotte. Mais sur le coup, j'ai pas trouvé Bijou. Je voulais un surnom de cheval classique, j'ai pas trouvé. Bon, j'ai combien d'appâts? Parce que je crois que j'en ai très peu, hein, parce que j'avais très peu de sous. J'en ai 7. C'est gros, hein. Alors, pour ceux qui connaissent le RP sur ce jeu, sur ce serveur, est-ce qu'il y a des raccourcis faciles et qui fonctionnent pour certaines actions, genre... repêcher? Et aussi, je suis navrée, je vais vous abandonner une toute petite seconde parce qu'il faut que j'aille faire une pause biologique. A tout de suite. Non, cannelle, ça va pas avec sa couleur. Steak, bon bah on a compris, hein, fin du steak, un peu des vannes qu'on entend depuis à peu près 15 ans. Peut-être passer à autre chose. Non, je pensais vraiment à un truc en plus, vu qu'il ressemblait à... Ouais, bref, j'y vais. vous chercherez. Désolé. Oula. Je suis là. Parti vider sa source. Je suis parti faire pleurer Pauline. C'est plutôt ça que je devrais dire quand je suis en Denise. J'ai pêché une bouteille, c'est ça. C'est le fou ça. En tout cas, on sait maintenant qu'on peut les refourguer à des taverniers ou autres. Oh, on est tout rouge, beaucoup ça se fait. Des couleurs qui fait qu'on dirait qu'il est tout rouge. Il est un tout petit peu. C'est pas grave. pipi. J'ai fait un point d'exclamation pipi, je crois. Ah, je le fais trop par live, c'est un truc de fou. Mais bon, quand je suis en stream, je bois vachement. De l'eau ou du coca ou
qui fait pleurer Pauline. C'est une de mes collègues qui dit ça au taf. Enfin, ma collègue. Je vais faire pleurer Pauline. Et du coup, moi, j'imagine vraiment en train de maraver une gamine qui s'appelle Pauline pour qu'elle pleure, tu vois. C'est bien pire. Bon, on va juste se faire quelques dollars, quelques cents. Pour pouvoir acheter à manger et à boire. Parce que là, on a vraiment des trucs très limités. Et puis ça coûte quoi. On est parti faire pleurer les balettes. On est parti faire pleurer le colosse. Plus tu causes, plus tu bois. C'est vrai. Totalement raison. C'est pas le bon. Pourtant, hein, je pêche depuis le début de la soirée. Hein. Je devrais savoir quand même utiliser une canne à pêche. Hein. Bah non, ça met du temps. Ça met beaucoup trop de temps. Du coup, on va utiliser nos appâts, vendre. On verra combien on a. Et puis, je pense qu'on retournera en ville. J'aimerais bien me faire un petit dollar ou deux. Ah, 2-3 dollars, ce serait bien quand même. Là, j'ai combien, là? Ah, j'ai rien du tout, là. Je crois que j'ai même pas 2 cents. Parce que j'ai acheté des appâts jusqu'à ne plus avoir de sous. Mais voilà, là pour ce soir, le but ça va pas être spécialement de continuer à pêcher ou quoi que ce soit. Maintenant qu'on a le cheval, juste avoir de quoi manger et boire. Alors pour Ginette, oui voilà. En général, je vais pisser, mais l'expression de ce genre. Pleurer Ginette, oui, pleurer Ginette, j'ai entendu. Pleurer Pauline, c'est. Voilà. Parce que bon, pour ce qui est du masculin, on entend souvent Popol. Bah du coup, pour le féminin, Pauline, quoi. C'est mignon, Pauline. C'est un prénom que j'aime bien. Ginette, la Ginette. Oh, pourquoi pas, remarque. Ginette, la perfection en féminin. Ça va, il est tranquille. Faudrait que je vois si, en trouvant des herbes, je peux lui donner à manger, mais en fait, de base, il a pris mes carottes. Donc, je sais pas. Puis, niveau bouffe, je suis un peu basse, hein. Je pense qu'on ira au saloon se manger un truc au saloon. Quand on pourra. Les 4 appâts, on va faire les 4 appâts, vendre et aller au saloon peut-être manger un vrai plat. Mais dis donc, c'est la Morgane. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir mon Konachan. Bonsoir, bonsoir. Des gens chelous qui arrivent. Bonsoir, merci beaucoup. Salut Bolo, salut Cyril. Salut Annelia. Bah j'ai le pseudo de ma belle-sœur, c'est Anna Elia. Pas écrit pareil, mais ça sonne très proche. Bonsoir Luffy. Bonsoir, bonne pêche, merci, merci, merci. Viens, regardez ce qu'il y a derrière moi. Viens, cheval. J'ai mon cheval. J'ai fait une rencontre d'un monsieur incroyable. Il m'a aidé à avoir mes 4 derniers dollars pour acheter mon cheval. Salut Zé Mephisto. Salut le divin Bubble Shuffle. Ça y est, t'as le cheval, oui. Les gens sont trop cool. Franchement, j'ai commencé à Blackwater. Bon, apparemment, il y a un peu des bandits, mais je te le dis, il y a du monde quand même, beaucoup. Et j'ai rencontré une journaliste là-bas. Voilà. Plein de gens, en fait. Médecins, pêcheurs... Vendeur de pastaga. Oui, c'est du RP, pardon. On est sur Red Dead Redemption 2, en RP sur AGW, donc le même serveur que notre cher Morgan rejoindra à la moitié du mois, je dirais, si j'ai bien compris. Fin du mois, autour du 19-20. J'ai regardé ton rituel parce que je me suis endormie, de soir trop fatiguée. Bah après, j'ai fait beaucoup de pêche parce qu'il y avait plus trop de monde. Mais là, maintenant, j'ai mon cheval. Juste, j'ai plus une thune, donc... Je me fais quelques... 20 ans de Ricard, oui. Pastaga, c'est important. Il s'appelle Guitoun. Marcel Guitoun. Et après, il s'est pas passé grand-chose parce que j'avais besoin de sous, mais j'ai enfin mon monture. Là, je me fais juste quelques sous pour avoir de quoi m'acheter à manger. Et il me manque d'ailleurs quoi ? J'ai quoi ? J'ai deux appâts.
Ah, mais j'ai 10 cents. Punaise, en fait, j'ai un tout petit peu de sous. Bon, ça va. Oui, parce qu'il m'avait donné des pièces. Il m'avait donné des pièces, ce cher Bradley Cooper. Si j'ai le perso, oui, il y a des commandes pour un petit peu pouvoir suivre. Et il y a une définition du RP pour ceux qui ne connaissent pas du tout dans Point d'exclamation RP. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Et voilà quoi. Et du coup, j'ai pas rencontré grand monde ce soir. Mais ceux que j'ai rencontrés au début, c'était une dame. Et là, une dame, c'était, comment elle s'appelait, Hélène. Et là, c'était Bradley. Et ils nous ont trop aidés tous les deux. Et maintenant qu'on a un cheval, on pourra facilement, du coup, bouger de ville en ville. Et juste, voilà. Merci beaucoup, le divin Bubble Shuffle. Merci beaucoup. Une Normande gauche, oui. Vient de Rouen. C'est la Denise. Et elle est pas toute jeune, hein. J'ai choisi volontairement de prendre un personnage un peu... Voilà. Pas jeune. Et ça va, c'est... Pour le moment, son personnage, j'ai du mal à avoir un peu... Je voudrais qu'elle ait une façon de parler très particulière. Je l'ai pas encore tout à fait parce que je suis pas encore suffisamment à l'aise dans mes interactions. Mais bon, en tout cas, c'est assez rigolo. Et puis, voilà, elle parle comme une Normande bien de là-bas, quoi. Enfin, bien de là-bas, pas vraiment. Parce qu'elle a un côté légèrement parisien. Mais quoi donc? C'est Normande, Anélia? Anélia, je t'appelle Vala, je t'appelle comme ma belle-sœur. Merci beaucoup pour le follow, Luffy. J'ai forcément coupé toutes les annonces, mais... Tu seras fixe ta voix? Ah non, pas du tout, c'est interdit de toute façon sur le serveur. Il y a une légère tolérance, très légère, pour certains tout petits trucs, genre un bruitage de forgeron, si t'es forgeron et que t'es en train de... Voilà. Un bruitage de trucs qu'on tape ou... Mais c'est tout, quoi. Vraiment, sinon, c'est complètement interdit. Et vraiment, à part ça... Non, je parle juste comme ça. Envoler le Mont-Saint-Michel. Écoute, là, on est aux États-Unis. Je te souhaite une bonne nuit et des bisous. À la prochaine, Luffy. Merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Et vu que, bon, là, il n'y a personne, je mets ma cam et tout, mais ne vous inquiétez pas. Hein, sinon, en RP, bah, no cam et tout. Voilà. Hein. C'est normal. Et j'apprends encore les touches. C'est vrai que c'est pas... Mais bon, les gens sont super compréhensifs, donc ça va. Il me reste combien? Il me reste un appât. J'ai utilisé l'appât, c'est ça? Ah, je peux... On va utiliser la canne à pêche, s'il te plaît? Voilà. Regardez le Mont-Saint-Michel, j'ai mon Alsace. Ah là là. Oh, vous savez, à Rouen, on a d'autres... Voilà. On est loin de tout ça, quoi. Frontalier suisse. Ah mais oui, c'est vrai. Tu vas bosser en Suisse. Oh putain. Oh la vache. Ça fait peur. Il y a beaucoup d'orages dans la région. Il y a beaucoup d'orages. Le niveau de voix est réduit. C'est facultatif. En gros. Attends, j'ai pas compris ce que tu veux dire, Cyril. Le niveau de voix est réduit? Non, c'est juste, t'as pas le droit de modificateur de voix. Tu dois utiliser ta voix, mais sinon non, après on choisit en bas là, vous voyez? Tac tac tac. Voilà, ça c'est la... Ça c'est si... Ça je parle fort, là je parle tout bas, là je parle moyen, là je parle assez fort, et là la fort. Voilà. Reboot, tu penses? Non, c'est bon. Mais en fait y a pas de tempête en RP quand ça va reboot. Mais effectivement, faut que je regarde très souvent leur Didi. Pour m'assurer qu'il n'y a pas de reboot serveur. Pour pas avoir de soucis, quoi. Oh, une bouteille vide. Seul. On est d'accord que j'ai plus d'appart. Hein. Ne cours pas, Denis. Alors. Oh là là, comment ça pète. Pas de crabe. J'ai vendu une crevisse. Mon cheval qui fait du bruit.
C'est aussi le temps. Tout quoi. Est-ce que j'ai encore une écrevisse? Non, c'est bon. Pas de crabe. Pas trop de moyens de vendre, vraiment, de choisir dans son inventaire pour vendre. C'est un peu chiant. Du coup, à chaque fois. Voilà, c'est bon, j'ai tout vendu. Donc, j'ai 1,21$. C'est pas une grosse fortune, mais ça suffira. On va aller à la taverne, je pense. Je vais juste me faire un petit morceau de pain. Voilà. Et on va aller au salon se payer un petit plat. Vas-y, party view. Niveau d'imitation de voix. C'est pas plus mal. Bah ouais, ouais, c'est... Moi, je trouve ça bien. Les imitations en changeant de voix, c'est souvent facultatif en RP en général. Ah oui, bien sûr. Mais moi, c'est parce que je fais un personnage... Je voulais pas faire un personnage qui me ressemble, en fait. Et je voulais faire un personnage un peu âgé, on va dire. Donc elle a 56 ans. Et en vrai, bah parce que aussi, c'est des persos que je vois pas. Quand je regarde des streams et tout ça, les persos féminins sont tous soit des nanas style cow-boy, soit des jolies nanas, voilà, un petit peu en robe, mais voilà. Et au niveau des archétypes, on a des archétypes assez proches. Alors ça veut pas dire que la manière de les incarner et tout ça ne change pas d'une personne à l'autre, loin de là. Mais c'est juste que déjà je voulais être un petit peu reconnaissable et avoir un côté... un petit peu, bah voilà, différent de ce que je suis dans la vraie vie. Et le côté mère maquerelle me plaisait beaucoup. Bonsoir messieurs. Vous parlez pour la langue? Bah je vais quand même marcher à vos côtés, vous voyez. Ouais, vous pensez? Pas tout compris, vous parlez un peu vite. Je faisais rien. Désolé. Waouh. Il m'a braqué parce que je le suivais, mais c'est vrai que dans GTA, ils font ça. Entre Lux, Réseau et Lux, il n'y a pas Insta. Ah oui. Oui, parce que je l'avais fait il y a longtemps, le point d'exclamation Lux. Je vais aller boire là-bas. Non, non, il va me tirer dessus, lui. Que des mères maquerelles. Ouais, c'est un perso qui m'attire. Je ne saurais pas dire pourquoi. J'aime bien. Pas ceux qui font des experts en RP qui en font beaucoup. Oui, c'est ça. Hein. Moi, on m'a dit, quand tu commences, c'est bien d'avoir un perso qui te ressemble. Enfin, en tout cas, de pas trop changer ta voix et tout. Mais en fait, ça me donnait pas envie. J'avais vraiment ce personnage en tête depuis très longtemps, même quand je m'imaginais dans un autre type de RP. Mais là, ça va très très bien, et puis, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais saluer un peu les gens. Hop là. Bonsoir, désolé de vous déranger. Voilà. Je viens simplement me déshydrater. Vous avez besoin de quelque chose? Non, je venais simplement me déshydrater, mais je tenais à vous dire bonjour avant. Ah bah allez-y. Merci beaucoup, c'est bien, c'est fort aimable. Si vous avez faim, vous avez un petit restaurant dans l'intérieur. Ah bah je vais y passer, oh pardon. Première porte à gauche. Je vais y passer tout de suite, merci beaucoup. Parfait. Ouais, me déshydrater, ouais, désolé, je dirais pas de dire ça. Boire, hein, je vais juste dire ça. Je vais m'hydrater un peu. Je vais boire un coup. Bisous Anélia. Des beaux rêves à tous ceux qui vous doudou. Bonne nuitée. Me déshydrater, mais oui, je bug, hein. J'ai un bug total là-dessus, hein. Je veux juste la guider. Alors, où est-ce que je peux te garer?
Ah bah là. T'as soif quoi? Ouais, j'ai soif. Ils ont désaltéré, exactement. Alors... on reporte à gauche, donc c'est là, ouais. Non, bizarre. Hop. Acheter de la nourriture. Ah non, c'est pas là, c'est plutôt acheter des objets. Non, c'est pas là, c'est acheter des objets du commerçant. Compliqué, compliqué. Attends, il m'a dit à gauche ou à droite? Parce que là, on dirait qu'il n'y a pas de plat. Ah si. Poule au pot. Porc au caramel. 40 cents. Café. Jus de tomate. Liqueur de framboise. C'est un peu cher tout ça, dit-on. Liqueur de blaireau. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça fait peur. Sortie à Robert. Le potage de Charlie. C'est pas de Charlie, c'est à Charlie. Portion de frites, pas trop cher. Omelette fermière, ça va aussi. Bisous sacrification, très bonne nuit. Est-ce que ce serait pas ici par hasard? Oula, non, c'est pas là, ça c'est la réserve. C'est la réserve, c'est la réserve. Je me mêle pas dessus, moi, regarde pas. Ok. Bah y a pas le plat d'hier. Hier il y avait un civet. Artichaut ribs. Omelette, hein. On va peut-être se prendre juste une petite omelette. Voilà. Tac. Tac. Puis je vais manger ici l'omelette. Oh. J'ai l'impression de voir des choses bizarres. Ah si, ça, c'est bon, je peux m'asseoir. Ça marche jamais quand je veux m'asseoir comme ça. Non. Je peux pas m'asseoir. J'ai trop envie de m'asseoir pour manger. Ça marche jamais. Pas grave. Alors, mon omelette, elle est où? Omelette patate. Bonnie, sacrifice des oubis. Comment on balance ça, celle-là? Combien? C'était 20? 15? Je crois que c'était 16. On va reprendre une, je pense. Oh non. Non, je sais. On ira prendre au saloon. Au saloon de Blackwater. Le maire, il peut très bien aller le voir et, ou écouter les employés, les conneries comme ça, tu vois. Mais bien sûr. Mais c'est ce que vous prenez? Oui, tout à fait. J'ai très bien mangé. Bon, merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir, bonne route. J'aurais dit bonne route, aucun sens. Je vais pas m'incruster, hein. Ils ont l'air très, très concentrés dans leur conversation. Ça aurait pas bien de sens que je m'incruste. Tu peux vendre le poisson à la ferme? Non, alors non, il y a des spots très précis pour vendre le poisson. Et sinon, c'est entre avec les joueurs. Mais il faudrait que je leur demande après, mais le truc, c'est que là, j'en ai même pas. Mais ici, j'irai voir quand j'aurai pêché quelques poissons pour voir si eux, ils veulent les racheter. Et sinon, avec les gens, je vais dire, ah ouais, bah ça, c'est possible. Après, il faudrait que je voie avec eux quand j'en aurai sur moi. Mais pour le moment, quand j'ai demandé, tu vois, voilà, quand les quelques fois on a parlé pêche, bon, bah souvent, les joueurs m'incitaient plutôt à aller vers les vendeurs automatiques, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de plat à base de poisson.
Après, j'ai cru comprendre, et ça c'est un souci du serveur, que les plats à base de poisson, ils se vendent pas beaucoup. Et du coup, ils en font pas beaucoup. Mais, je me dis, à Saint-Denis et tout ça, il y a peut-être plus moyen. Parce qu'il y a plein de types de plats et tout. Mais bon. Oh non, Telegram, bah je vais rentrer à Black Water, je vais lire mon Telegram. C'était ça aussi que je voulais faire à Black Panther. Non, 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 je veux quitter. Mais oui, ça c'est ça, je demanderai un petit peu au saloon et tout ça, si ça achète un peu du poisson. Et je demanderai bien aussi à ça, j'aurais dû demander à Monsieur Bradley Cooper, mais ça je lui demanderai quand je le recroiserai, parce que je pense que je vais le recroiser. Et au pire, je ferai un petit télégramme. Je vais où là? Je suis parfaitement dans la bonne direction. En vrai, on a une map, hein. Je la vois, la minimap en bas. Et je peux me mettre un point, mais voilà, je trouve que c'est plus RP de regarder ma map. Tout simplement. Mais je m'impose des contraintes. Faudrait que je vois après avec les autres pêcheurs un petit peu comment ils font. J'ai l'impression que la plupart vendent leurs poissons vraiment au PNJ, quoi. Mais ça, c'est un truc qu'ils veulent développer sur le serveur, c'est le fait de vraiment interagir avec... entre joueurs, aux étals de... dans les étals du marché et tout ça. Ah, j'ai l'aide du gouvernement, trop bien. J'ai cru comprendre que quand on est pêcheur, on a juste comme ça, voilà, un petit peu tranquille à son compte, on n'a pas trop besoin de se déclarer ou quoi que ce soit. Mais par contre, pour d'autres métiers, là, effectivement, il faut un peu plus... Il y a un petit peu de... comment dire, de formalité. Mais j'ai pas encore tout compris avec les jobs, c'est pas simple. Ouais, tu verras, il y a plein de monde à Blackwater, ça pullule. En vrai, je dis ça, mais on n'est pas encore devant la taverne. Elle est là, la taverne. Oh, j'adore ce bruit. Où est-ce que je vais pouvoir t'attacher, mon petit bijou? Ah ouais, attacher le cheval. Incroyable, ça marche bien. On va voir la taverne s'il y a quelqu'un. Il y a un cheval ici. Au saloon. Bonsoir, bonsoir. Je m'en viens acheter un petit repas. Personne, y'a personne. Ah, pas de carbo. Tomate à la red, c'est 40$. 15. Beau, je l'ai 80. Bruno Dupont, c'est 15 aussi. Ok. On va se faire des petites... Ah, oh, il y a le pastaga. On va se faire un petit... petit peu de carbo. On achète deux, même. Je suis une folle, là. J'ai pas de limite. Est-ce que je peux m'asseoir pour le déguster? Je l'avais fait, je crois. Ah oui, j'avais pu le faire. Mais c'était que là-bas. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas à m'asseoir ailleurs. Tu l'as mérité. Pas toute seule, pas toute seule. On va inviter, on offrira un verre à quelqu'un. Prendre un bain. Non. Non, je me suis lavé le visage dans la rivière, ça suffit bien. Voilà Denise de près. Voilà Denise. Denise. Je veux qu'elle bouge les lèvres, mais ça marche pas beaucoup. Ok. Hop là, petit pas de carreau. Alors bon, son bras il... compliqué quoi. C'est quoi qui fume comme ça en permanence? Le bois fume. Okay, tu vas pas savoir pourquoi. Ça va être trop drôle ça par contre, le RP bourré là. Moi je dis oui. Hein.
Je vais me changer, tiens. Je pense qu'on va plus pêcher pour ce soir, donc on va se changer. Ça va tanguer encore, j'aurais pas dû. Si c'est bon. Ça ne tangue pas, hein. Par contre, mon arme dans le dos, c'est pas terrible. Mamie bourrée, ça peut être fun, mais grave. Mais maintenant, on a une note du serveur nous disant vous devez afficher vos armes quand vous en avez sur vous. Genre typiquement les fusils, voilà, on a pas le droit de les cacher. Mais le truc c'est que j'aimerais bien les poser quelque part mais j'ai pas encore de maison. En vrai cette arme je vais pas beaucoup m'en servir. Alors, oh bah y'a plus de cheval. On va aller à la poste, mais je te laisse ici toi. Je peux pas te laisser ici en fait maintenant que j'ai un cheval hein. Merci beaucoup Denfardark pour le follow. 2600, merci. Attends, enfin les 2600. Merci beaucoup. Dans ton cheval quand t'auras une sacoche. Mais oui, évidemment. Là, c'est 5$ la sacoche. Personne, hein. Il y avait du monde à la taverne hier soir pendant un temps, et puis après, il n'y avait plus personne. C'est pas bien grave. Merci Darex. Darex TV, pardon. Pas Darex. Nice. Il y en a plusieurs. Merci. Où est-ce que je te garde, toi? J'en ai ici. Pas drôlement du bois ici. Tu peux t'attacher là? L'impression. Je peux l'attacher là-bas. Bonsoir Darek TV. Oh c'était... Hop là. Je retrouve enfin mes habits d'âme. Oui, c'était un achat trop tôt, effectivement. Clairement, t'as raison, Sam. T'as tout à fait raison. Non, non, non. Oh, 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 oh. Ça réflexe. C'est où les télégrammes? Ici, je pense. Oui, c'est là. Vous avez rencontré Miss Duval. Ah, oh, Bradley! Portez-vous bien avec votre nouvelle monture. Oh, mais quel homme, mais quel homme! Alors. Attendez. Nom de destinataire. Faut que je mette Bradley Cooper? Voilà. Bradley Cooper. Voiture. J'arrive pas à saisir. Ah. Voilà. Écrire le message. Nom du destin. Ah, faut que j'écrive le message d'abord. Excusez-moi, je découvre. Hein. Bah, prénom du destinataire. Prénom juste. Ah, d'accord. Bradley. Suivant. Nom du destinataire. Cooper. Suivant. Message à écrire.
Oh merde. Ah oui, attendez. Monsieur Cooper. Je vous dois un verre. Ce sera signé de moi, à votre avis ? Où je dois le mettre ? Ouais, bon, je vous dois un verre. Très bientôt. Je dois voir très bientôt. Quand vous le voulez, je lui mets. C'est signé. Ok, ok. C'est dit que c'est toi. Ok. C'est mon premier télégramme, je suis très émue. Il m'a envoyé un télégramme si vite en plus. Ah, c'est un sacré bonhomme, c'est monsieur Cooper. J'ai entendu du bruit tout à l'heure. Oh bah, tu fais gaga, Minotte. Et il est là. Bon, peut-être bouger de coin, hein, vu que c'est vide. Est-ce qu'on irait pas à Valentine ou un coin comme ça ? Maintenant qu'on peut, hein. Pas du tout ça que je voulais faire, c'est pas grave. On est où ? On peut enfin sortir de la région. On est allé à Strawberry. Valentine, c'est où ? C'est pas à côté, hein, mais après tout, on peut en profiter, hein. Moi, j'ai envie de dire... Banco. On peut voyager. On va voyager. King is dead. The Queen. Bonsoir, El Cojones Grande. Ah, c'est très vite hein, pour le moment. Strawberry, Blackwater. C'est pas grave, on va bouger de coin et puis à Valentine, je pense qu'il y aura du monde. J'arrive pas à caresser mon cheval. Ah voilà. Allez, c'est parti. Oh, c'est trop cool d'avoir mon cheval. Je suis trop contente. Franchement, je suis trop saucée. Genre, c'est good. Hein. Ralentir ici, il y a peut-être du monde. On passe quand même devant une église. Respectons. Non, personne. Il n'y a pas grand monde dans le coin. Mince, j'ai ralenti au lieu de courir. Je suis trompée. Je savais pas que je l'avais cette émote, elle est très cool cette émote. Viens d'où ? On va bien rester sur la route et faire gaffe aux serpents. Alors attendez, je vais regarder les panneaux, tiens. Voilà Valentine. Aquateur, voilà. Manzanita Post. Je crois qu'il faut que j'aille vers Strawberry et après que je tourne. Bonsoir monsieur. Pardon, j'ai soufflé comme une... Voilà. J'ai plus soufflé que je n'ai sifflé là à l'instant. Ok, à la prochaine droite, on tourne à droite. Ok. On verra. Hein. C'est le mode online, c'est le... C'est même plus, c'est une le mode RP. C'est un serveur RP. Donc je vais aller un petit peu voir si du côté de Valentine on peut... Comment tu peux siffler? Ouais, il dort pas. Oui, ça va. C'est ça aussi, c'est que j'ai pas osé siffler parce que je me suis dit merci, c'est qui dort.
Mais non, je l'ai entendu. Oula. Bon, on va espérer pas se faire agresser, mais tout à l'heure ça s'est bien passé. On a dû peut-être acheter des appâts avant de partir, mais je compte pas repêcher ce soir, donc on en achètera un autre moment. Ah, c'est trop bien d'être enfin équipé d'une monture. Bon, ça va, ça nous aura mis un jour. Après, avec l'aide, encore une fois, de ce cher Bradley. Ah, Denise, elle veut payer sa dette. Elle veut trouver un moyen de lui rembourser un petit peu ou je ne sais quoi. Petit enlèvement, ce serait rigolo, en vrai. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais je suis pas prête, là. Niveau RP, ce serait... ça serait chaud. Mais je sais comment lever les mains. C'est 2. Alors je crois que si après je vais tout droit, je crois que ça nous emmène vers Valentine. Mais on est déjà presque à Strawberry, donc c'est qu'à cheval ça va quand même beaucoup plus vite quoi. Hein. C'est indéniable. On continue tout droit, mais le souci c'est que il y aura l'eau à passer. Je pourrais peut-être passer là. Et hop, après je remonte. Oh, il y aura plein d'encoins où passer en fait. Ouais. À faire tout droit. J'ai entendu des bruits. Petit campement ici. Il y a eux pour attaquer les mecs en face. J'ai bien retenu. Mais c'est vrai, ouais. J'ai retenu aussi, ouais. Ah, quelqu'un. Ah, c'est à gauche. Bonsoir, messieurs. Je roule pas la langue, celui-là. Attendez, faut que je fasse gaffe. Faut déniveler. On va suivre et puis on va tourner. Quand on y pense, c'est la série The Crown qui doit être content. Et c'est de la reine. Même pas besoin d'écrire une nouvelle saison. Elle s'écrit toute seule actuellement. Je sais pas la série The Crown, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si ça se veut réaliste ou pas. Jamais regardé. Ça m'intéresse pas plus que ça. Dis donc. Ah, je peux traverser par ici. Vu qu'il veut que je traverse, on va le faire là où on peut. Hein. C'est pas profond là. Trente minutes. Eh oui, bah oui. Ouais, toujours à 3h du mat. On va essayer d'aller à Valentine quand même, avant. Oui, c'est bon, on a le temps. Bonsoir. Une série sur le trône d'Angleterre, oui, ça c'est tout ce que je sais. Sur l'histoire récente de la famille royale, ok. Pas réaliste, non. Des vrais persos, mais c'est totalement romancé. Bah, j'imagine. Truc totalement inventé qui ont rendu fou la royauté. Ok. Bah, après, bon, j'imagine que. C'est mieux que ce soit romancé, quoi. Bonjour. Beaucoup de botaniques dans le coin. Les bruits des sabots des chevaux, ça me nique un peu les oreilles, j'avoue. Je sais pas, c'est ça fait trop de basses. Je suis super sensible aux basses, moi.
Je vais baisser un tout petit peu les bruitages. Les basses, ça tabasse. Ah ouais, mais... Moi, j'ai du mal, hein. Ça aura changé, non ? Mais en fait, moi, c'est pas le bruit du sabot, c'est la basse quand ça tombe sur le sol. Typiquement, quand c'est sur un autre sol, ça va faire un bruit beaucoup moins... Bah, avec beaucoup moins de basses. Et moi, j'ai du mal avec les basses. Mais c'est pas du tout le bruit du cheval. Il y aurait des basses un peu moins fortes, ça me... Après, j'ai un casque aussi qui a des meilleures basses que mon ancien. Du coup, je suis pas habituée. Puisque mon casque est plutôt récent. J'écoute assez peu de musique, donc je m'en rends pas forcément compte. Ah, par exemple, le bruit, j'aime bien. Temps, parce qu'il n'y a pas de basse. Mais moi, j'ai une hypersensibilité à beaucoup trop de bruit. Totalement misophone. Misophone, oui, misophone. Je pense que ça joue là-dessus. Mais les basses, ouais, moi j'ai du mal. Il faut qu'elle soit ultra douce. Quand il y a une musique avec des basses, faut vraiment que j'atténue les basses. Sinon, ça me... Vraiment, c'est comme si on me tapait dans l'oreille. Mais c'est chiant parce que bah, mon copain, lui, il adore les musiques avec des basses extrêmement fortes, nettes, très puissantes. Misophone, pas misophobe. Comme t'aimes pas la soupe miso, exactement. Et misophone, c'est quand t'aimes pas plein de bruit. Notamment des petits bruits de piaffement et toutes ces merdes là. Mais quand c'est un point extrêmement excessif. Et je suis sûre que c'est aussi pour ça que les basses j'ai du mal. J'en suis sûre. Bon bah on arrive à Valentine. Quand t'écoutes pas la soupe miso et que tu téléphones avec... Exactement. C'est quand tu parles, voilà, quand t'as des contacts avec la soupe miso que au téléphone, en fait. Et ouais, une bouche que je supporte pas du tout. Ah ouais. Certaines fois qu'il me crispe. D'avoir frappé la personne en face, ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Mais tous ces petits bruits, c'est viscéral, hein. C'est vraiment que... Moi, c'est au point où, une fois on était, il n'y a pas super longtemps, au ciné. Moi c'était l'année dernière quand même. Pour voir Dune il me semble. Et bon, le son était bon, mais le son n'était pas très fort finalement. Et, je vais attacher ici, on va visiter à pied. Et il y avait quelqu'un qui mangeait des pop-corns en face de moi. En face de moi, dans le siège à côté à droite de moi, enfin en face de moi à droite. Et j'ai dû me boucher les oreilles puisque cette connasse a ruminé. Et le son du film ne permettait pas de couvrir ça. En tout cas, moi j'arrivais pas à penser à autre chose. Et du coup, je me suis bouché les oreilles pendant les trois quarts du film. Comme ça, j'entendais à travers à travers mes oreilles bouchées, j'entendais ce film. Et moi, j'entendais plus ces piap piap piap. Vraiment, je... Soit je hurlais, soit je la tapais, soit je partais en courant et en pleurant. Et je dois aller, je pars tôt en vacances demain. Oui, bon départ en vacances, très bonnes vacances. Gros gros bisous, merci beaucoup pour le raid. N'hésitez pas à passer voir Morgane qui va aussi en plus bientôt faire du RP sur le serveur où je suis. Je vais prendre mon cheval, je l'ai laissé beaucoup trop loin. Et qui fait sinon du Hutchdown, elle fait du Cult of Denim récemment. Il y a plein de petits jeux sympas, stream tardif pour tous les oiseaux de nuit. N'hésitez pas à passer la voir. En ce moment, il y a plein de trucs, travaux sur le pavillon à 10 mètres de mon appart. Ouais, j'entends beaucoup aussi. Je sais pas si c'est la rentrée qui veut ça. Mon cheval a disparu. Voilà. Bon, tu veux peur. Tu peux meurs, Ludo. J'arrive pas à la calmer. Elle veut pas. Allez, calme. Voilà.
Ah, vous voulez pas, j'arrivais pas, j'appuie sur la touche, mais ça mange pas. Et c'est parti. Mais en soi, moi, je préférais supporter tous ces bruits-là horribles. Hein. Je n'y arrive vraiment pas. Bruit de bouche, je suis pareil. C'est horrible, hein. Il y a un casque anti-bruit pour m'isoler. Mais je ressens certains bruits, c'est horrible. Genre tout ce qui est bruit de fond, des appareils électriques, des électroménagers, je supporte pas. Bruit de fond. Genre un PC qui tourne par exemple, parce que bon. Ou un frigo. Ah, surtout que si c'est un casque anti-bruit, tu vas peut-être sentir que ça. Mais j'ai jamais testé casque anti-bruit, après moi j'aime pas non plus entendre le bruit de mon cœur qui bat. Bonsoir. C'est désert, y'a personne, je suis deg. Y'a même pas un cheval de garé. Du coup, bon bah je pense que voilà. Il y aura personne. On va voir, on va voir. On va aller dans la rue des tavernes. Les bips aussi et tout ça. Ah oui, non mais ça je peux pas non plus hein. Micro-ondes qui bipe 10 fois, c'est clair. Non, moi c'est les tic-tac même. Tic-tac d'une horloge, d'une montre, même d'une petite montre, hein. Insupportable. Sauf s'il y a plein de bruits qui permettent de couvrir, mais dans ce cas-là, bon bah, pas pour dodo quoi. Bon bah, un peu vite hein. Et où le vendeur général, il est là. Bonsoir. Oh, c'est tout beau, hein. Machine à laver idem, ouais, elle fait pareil aussi. Bonsoir, bonsoir. $3 3 cents. Eh, c'est plus cher qu'à Blackwater, hein. Je peux les acheter ici, moi. Hein. Je venais ici surtout pour faire des rencontres. Bon, y a personne, malheureusement. Mais c'est pas grave, on va peut-être aller vers Saint-Denis, hein. Au pire, on a $3 en poche. Et le monde s'offre à nous. Let's go. Ah, mais le serveur va redémarrer. Est-ce que j'aurai le temps d'aller à Saint-Denis? Oh, c'est pas grave, au pire, on s'arrêtera sur le bas-côté. Salut, Yediakin. Qu'est-ce qu'il raconte de beau. J'ai pas fait de VOD ce soir, je suis un peu triste, mais bon, on a eu des longs temps morts, alors ça aurait peut-être pas été super intéressant. Je vais faire un petit tour sur le côté quand même, s'il y a des gens dans le coin, mais bon. Dans la rue principale. Bonsoir. Dans la rue principale, il y avait personne, donc je pense que... Je pense que c'est un peu dead. Alors que bon, à Saint-Denis, si je rencontre des gens, ils pourront peut-être me faire visiter la ville s'ils ont rien à foutre, des trucs comme ça, quoi. Mais les chars, voilà, ça par exemple, c'est PNJ, c'est sûr. Bonsoir, messieurs. PNJ. Alors, par là, c'est Saint-Denis? Ah, pas trop. Oh, on est très loin, quand même. Après, non, attendez, on m'a conseillé d'ouvrir un compte à Valentine. Bon, mais on n'a pas de quoi. On l'ouvrira plus tard. Franchement, plus tard. J'ai pas vérifié les carottes. Ah, c'était où déjà? On a vu personne, on est d'accord, hein, c'est rien d'assister. La sortie de Valentine vers la gare. Alors, attends. Sortie de ce côté-là ou de l'autre côté? Ah, de ce côté-là plutôt. Ok. On va voir, on va voir. On a une monture maintenant, autant profiter. On s'en met, si. En plus, il fait nuit, donc de loin, on voit même pas si.
sera peut-être plus court par là pour aller à Saint-Denis. Alors ce serait ouvert. Je peux attacher le cheval ? Ah, je peux attacher au poteau. Ok. Alors, t'as genre un petit triangle. Est-ce que c'est près des rails ? J'attends que tu me dises vers où c'est censé être pour qu'on vérifie. À droite là, ok. Ah, ce petit triangle de terre. Oh non, je suis toute seule. Ici ? Ah, vers les buissons. En tout cas, là, il y a pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait. Ouais, il y a un décalage hein, des eaux si je mets du temps. La nuit dans le jeu, c'est vrai que c'est lourd. Et j'ai pas de lampe aussi, je m'en achèterai une. Mais écoute, là y a rien. Hein. Si c'est buisson ici, y a rien. Doudou bijou. Doudou. À gauche, c'est là et on n'a pas l'air d'en avoir, on est d'accord. Hein. Est-ce que j'en savais un peu si je considère comme des plantes sans intérêt? Non, en fait, c'est surtout que, enfin, je pense, hein, que c'est pour faire pas que les gens puissent se nourrir de carottes. Bonjour. Pour que les gens soient obligés d'acheter des carottes aux cultivateurs parce qu'il y a des zones spéciales pour cultiver. Il faut acheter les graines et tout ça. Donc oui oui. T'as vu, mais ça affiche pas carottes. Oui oui, non mais ce que je veux dire c'est que... Tu cherches les carottes sauvages, y en a pas. Oui voilà, non mais c'est Sam qui voulait absolument que je voie s'il y en avait. Absolument non. Il voulait voir s'il y en avait, mais non, ça paraît logique en fait. Ça paraît logique. Bon, bah c'est très calme hein. Malheureusement, toutes les villes où on est allé pour le moment, il y avait personne. Mais c'est logique parce qu'il faut que. Voilà, il y a des agriculteurs, des cultivateurs, donc faut que tu leur achètes tes carottes, quoi. C'est normal. Bonjour, bonsoir. Oui, voilà, des carottes plantées, c'est normal. On voit leur skin. Ouais, je m'en doutais que c'était ce qu'on voyait. Mais voilà, que c'est pas le côté que c'est des plantes sans intérêt, c'est le côté que les carottes, ça se trouve pas comme ça dans le jeu, quoi. Mais oui, du coup. Effectivement, on considérait ça rentre pas dans la catégorie des plantes classiques.
trop trop se fier à ce qu'on sait. Oui, j'imagine. Mais moi ça va, j'ai oublié plein de trucs. Est-ce que si je me change, j'aurai plus ces tâches? On va regarder ça tout de suite. Elle est où l'auberge? La taverne. Salut. Oui, c'était ici. T'as vu, Gaël, j'ai un cheval. J'ai rencontré Bradley Cooper qui m'a aidé à avoir mon cheval. Moi, j'ai pas de sel, mais ça va venir. Donc, t'as un cheval? Oui, alors je n'ai pas croisé grand monde aujourd'hui, mais les peu de personnes que j'ai croisées m'ont beaucoup aidé. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, c'est un dieu. Fin de soirée difficile. Les coupeurs, je connais pas. C'est un pêcheur. Du coup, j'ai croisé au coin de pêche. Est-ce que c'est ici que je peux me changer? C'est en bas. Et du coup, il m'a aidé à avoir mon tout premier cheval parce qu'il me manquait 4$. Il m'a dit, bon, allez, vous m'êtes bien sympathique. M'asseoir. J'ai glissé, franchement, j'ai glissé sur pendant une seconde sur de la terre. Regardez l'état. Denise, t'as eu ta tronche. J'ai fait une toute petite glissade, minuscule. Après, de toute façon, autant tout apprendre en RP, c'est plus intéressant. Tout à fait. Pour un deck Cooper. Oui. Oui. Autant l'un des deux, quoi. Y a-t-il un endroit où je peux me changer par ici? J'ai pas l'impression. Bon, j'ai pas trop les sous pour aller. Pour aller à cet arnaqueur de tailleur. Cette porte-là, je l'ai pas tâtée. Tout au fond. Oh! C'est vraiment joli. T'es roulé dans la terre. Mais franchement, j'ai glissé, mais ici, cette ville, elle est trop dégueu, là, elle a boue partout. J'ai mis ma belle robe, regardez ma dégaine. Je voudrais me nettoyer, mais bon, 1$. Bah, s'il faut, il faut. Descendre. C'est une carabine à petit gibier. Mais je sais pas quel est leur numéro. C'était. En fait, c'était mes premiers choix qui n'étaient pas très optimum. Je me suis dit, bon, au cas où il y a des animaux, il me faut une carabine. Après, j'ai vu ce qu'il y avait comme carabine. J'ai fait, bon, j'ai pris la moins chère. Et après, je me suis dit, bah, c'est con d'avoir pris la moins chère. Parce qu'en fait, elle m'aidera pas à abattre des animaux sauvages. Et en plus, les balles, elles sont à 2$. Alors j'ai littéralement une arme à 2 balles. Parce que j'ai 2 balles. D'accord. On va faire un petit tour. Hein. T'es pas chercheur d'or, Bradley Cooper? Bah en fait il pêchait aussi parce qu'il a vendu des poissons, mais effectivement il était assez polyvalent le monsieur, mais il pêchait c'est sûr parce qu'il avait des poissons à vendre quoi. Les roues sont coincées, je connais ça. Tempête dans la rivière, c'est une bonne idée. Mais je crois que je vais sécher, il fait 8 degrés. Vous avez les roues coincées, monsieur, les chevaux ils y peuvent rien. On va sortir, hein. Vous voyez bien, c'est coincé. Je vais bien vous aider, mais bon. Je suis en robe. Ça m'arrive, vous savez coincé, hein. Bon courage. Reboot. Ah oui, il va y avoir le reboot. Ah bah je vais me poser dans le saloon. Je vais arrêter les conneries, je vais me poser dans le saloon. Je prends mon look.
Il a l'air convaincu dans sa démarche. J'ai l'impression qu'effectivement il a l'air un petit peu obtus. J'aurais tenté, hein. Ah, je peux peut-être me changer ici. C'est quoi ça? Pour changer de barbe? Gérer. Mais j'ai peur qu'on me demande des sous. Attendez, je vais gérer, on va voir ce que ça gère. Tu n'es pas manager. Ah oui, c'est vrai. Très juste. Très juste. Non, mais je vais pas... Si c'est comme le tailleur, ça va me demander un dollar, même si j'achète rien, alors je vais pas le faire. Je ferai ça quand j'aurai des dollars à gaspiller. Je vais mettre ici pour reboot. Je me range. Est-ce que ça craint si je m'assois? Est-ce que j'ai pas... Y'a pas un risque que le serveur pète un câble si je suis assise? Ça va peut-être... ça va peut-être lui permettre d'avoir un peu... Non, ça ira, d'accord. J'ai peur, hein, des fois. La tronche. Ah, la tronche! Il y a un reboot. On va relancer après le reboot. Alors. Et fuite. Et quitter. Voilà.